Ici Denise Bombardier. Raison passion ce soir avec le chanoine Jacques Grandmaison qui pose une question. Les Québécois veulent-ils encore être un peuple? Jacques Grandmaison, qu'est-ce qui vous a amené à formuler une question aussi terrible? Ben, j'ai le goût de mettre en regard deux choses. On entend un certain discours depuis un certain temps qui dit le Canada, le Québec compris, c'est la société la mieux lotie au monde. Et dans un sondage publié en janvier 92, dans la revue d'actualité, l'analyste dit la société québécoise est la société postmoderne la plus avancée de la planète. Les Québécois ont coupé tous les ponts avec leur histoire propre, leurs institutions, leurs symboles. Ils ne vivent qu'au présent, ils sont centrés sur leur plaisir. C'est un des peuples les plus heureux de la planète. La semaine passée, ou plutôt c'est samedi passé, dans la presse, un sondage sur la santé mentale des Québécois, où on dit que 63% des Québécois sont déprimés, sentent une sorte de vide, de vacuum. Vous vous rendez compte? Non? C'est le paradoxe. Le paradoxe. Puis, dans les circonstances qu'on vit présentement, on parle de l'indécision des Québécois. Et souvent, on en reste à un constat rapide, des explications assez sommaires. Et c'est exactement la question, au fond, qu'on s'est posée au point de départ. Où est-ce qu'ils sont, les Québécois? Qu'est-ce qui se passe chez eux? Et depuis 5 ans, en revérifiant constamment, nous sommes allés recueillir des récits de vie, des centaines de récits de vie, pas chez des gens engagés, des militants idéologiques, chez le tout-venant. De différents âges, de différents milieux. Oui, et ce sont ces témoignages de tous ces gens, d'ailleurs, qui vient de paraître le deuxième tome, justement, de cette grande étude sur la société québécoise qui s'appelle « Vers un nouveau conflit de génération ». Et ce sont ces témoignages qui vous amènent à formuler cette question-là. Voilà. Je pense, par rapport à cette question, nous avons trouvé, repéré un certain nombre de problèmes qui, je pense, peuvent éclairer cette question-là. Le premier, c'est la question des appartenances. Je ne veux pas de grandes théories, là. Il n'y a pas peur. Très rapidement, on s'est rendu compte que la majorité des interviewés disaient ceci. Être Québécois, être Canadien, ça n'a pas tellement de signification pour moi et dans mon milieu. Être catholique, ça n'a pas tellement de signification pour moi et mon milieu. Et toutes les appartenances comme ça, même les institutions, l'institution d'où on tire son salaire. La dernière prise en considération, c'est l'institution. Vous venez de parler du monde des 20-35 ans, qui pose tout le problème. La première d'une lignée de cow-boys, puisqu'elle a transmis sa passion pour les chevaux à son fils Yves, qui est un cow-boy de rodéo, et à son petit-fils Jason, à qui on a eu l'occasion de parler tout à l'heure, et puis qui avait monté ses premiers petits bœufs cet été, puis qui était très fier de ça. Et juste à côté de vous, il y a aussi une autre famille qui est en train de se former, parce que Manon Daudelin est tombée en amour à cheval, et puis elle est tombée en amour avec son beau cow-boy qui est à côté, qui est Benoît Gauthier. Et Manon et Benoît, c'est tellement fort, et l'amour qui vous unit, et l'amour des chevaux, vous avez décidé de vous marier l'an prochain, pendant le Festival de Saint-Tite. Exact. Ça veut dire, Manon, qu'on ne peut presque pas, quand on a la passion des chevaux comme vous l'avez, on ne peut presque pas envisager sortir avec un gars qui n'aurait pas la même piqûre que nous. Ah, c'est sûr. Moi, je travaille là-dedans quasiment 24 heures sur 24, parce que je suis entraîneur et instructeur. Alors, je suis tout le temps là-dedans. Fait que si j'avais un chum qui n'aimait pas les chevaux, moi, je serais... Moi, je serais bien malheureuse ou l'autre serait bien malheureux. Là, il faut absolument que les deux soient dans le même package deal, qu'on peut dire. Là, parce que... Et Benoît, qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Qu'est-ce que tu fais surtout, toi?
Ben moi, je fais des compétitions de gymkhana, des courses de vitesse, OK, comme Manon, des courses de Berry. On fait à peu près toutes les classes de vitesse qu'il y a dans, qu'on appelle le gymkhana. Ouais, mais nous autres, on connaît rien là-dedans. Alors, ça veut dire quoi? Tu montes ton propre cheval? On monte notre propre cheval. On fait des courses... la course de Berry, c'est qu'il y a trois Berry qui sont placés dans un manège, puis on contourne les trois Berry aux trois à peu près... à deux extrémités, du côté droit, du côté gauche, et puis l'autre barré qui est dans le fond. Ça fait qu'on contourne les trois barrés. Il y a aussi les courses de tour de ring qu'on fait. C'est comme dans l'ancien temps, le Poney Express. On fait un tour du manège. On essaie de changer de cheval. Il y a un autre cavalier qui vient apporter un autre cheval. On change de cheval à toute vitesse pour faire un autre tour de manège. Ça, c'est le plus vite possible, toujours. Ça, c'est dangereux, changer de cavalier comme ça. Il y a une part de risque très forte là-dedans. C'est pas facile. Ça vous fait rire, ça? Mais il me semble que c'est dangereux. Auriez-vous... C'est impressionnant. Je ne pas à m'accrocher dans le pommeau, tu sais. Est-ce que tu as l'impression, Manon, que ton chum prend des risques parfois? Ah, il en a déjà pris trop, déjà. Il s'est ramassé à l'hôpital un mois et demi. Il s'est cassé le fémur en 89. Mais là... je pense que c'est assagi un petit peu. T'as pas le goût des fois de lui dire, écoute, laisse tomber ça, là, il faut que tu gardes tous tes morceaux. Ben c'est ça, il a, il débarque plus du cheval pour rembarquer sur un autre cheval. Là. Il fait juste comme on dit, passer les chevaux pour le gars. C'est, il y a un cascadeur, son copain, là, son coéquipier, il est ici, Daniel Blais. C'est lui qui fait équipe avec lui. Alors c'est Daniel qui fait les cascades. C'est Daniel qui prend les risques. C'est ça. Bon, Daniel, lève donc la main qu'on te reconnaît. Alors c'est toi qui prends les risques maintenant à la place de son chum. C'est ça. Oui. T'as une blonde qui est juste à côté? J'ai une femme. Oh! Puis t'as un enfant? Oui. Oui. Une femme et deux enfants. Puis des risques, tu continues à en prendre quand même? Je continue à en prendre. Je me dis personnellement que c'est pas plus risqué qu'un courseur en motocross ou un courseur en automobile. Quand tu es mordu d'un sport, mais tu y vas à fond puis tu lâches pas. Vas-tu faire un cow-boy avec le petit jeune qui est là à côté, là? J'espère. L'espère. Il y a le gaz pour en faire un. Est-ce que c'était votre souhait, Yves, aussi, étant donné que, bon, votre mère, vous avez passé sa passion, oui. Est-ce que c'était votre souhait? Que oui, je le souhaitais, mais sans trop y imposer, sans y imposer du tout, même. Je le souhaitais, puis ça a l'air qu'il aime bien ça. Qu'est-ce que vous faites, vous, exactement, dans ces compétitions-là? Moi, je monte les chevaux sauvages sans selle. Avant... longtemps avant, il y a 5 ans, quand on a eu Jason, là, je raidais les taureaux aussi. Quand on a eu Jason, j'ai commencé à réfléchir. Parce que vous considérez que c'est plus dangereux, finalement, de monter des taureaux. Oui. Oui. Les accidents que j'avais dans les taureaux, c'était tout le temps un peu plus sérieux que c'est les chevaux. C'était sérieux, puis j'étais chanceux en plus. Fait que pour avoir été chanceux, là, ça aurait fait mal. Et qu'est-ce qui vous attire là-dedans, les chevaux sauvages? Est-ce que c'est l'idée de les maîtriser à un moment donné, ou... C'est... on n'est pas trop sûr. C'est, premièrement, le sport avec les animaux, j'aime bien ça, là, avec les chevaux. Puis deuxièmement, c'est le risque. C'est de risquer. Nicole, vous n'avez pas l'impression d'avoir transmis un peu à votre famille un cadeau ça. Empoisonné? Pas ça. Moi, c'était des classes beaucoup plus calmes, genre gymkhana qui me passionnait, là. Mais plus tard, lui, il a rencontré des... Parce que dans le domaine des chevaux, ben, tu rencontres des gens qui ont toutes sortes de passions. Puis un ami qui aimait le rodéo, qui l'a amené, puis bon. Mais tant qu'à le voir faire contre mon gré, parce que quand tu as commencé, j'étais en France dans un stage de randonnée. Moi, j'avais 15 ans, puis ça me prenait quelqu'un pour me véhiculer au rodéo. C'est que j'ai embarqué avec ce gars-là qui m'emmenait au rodéo, sans que ma mère le sache. Puis j'étais justement sur un stage de randonnée équestre en France quand il a commencé en 79. Mais après ça, puis je me suis dit, c'est aussi bien de l'appuyer que qu'il en fasse, puis que qu'est-ce qui peut arriver? On n'aura pas de contrôle. Fait qu'on l'a appuyé, puis ça a bien été. Il est allé faire des stages aux États-Unis, puis comme ça qu'il s'est perfectionné, parce que ça fait 10 ans. Puis il a touché du bois, là, il n'a jamais rien eu de... Et on dit que quand il y a la piqûre quelque part dans la famille, ça se continue. Benoît, on a ton jumeau qui est juste ici. Comment tu t'appelles, toi? François. Alors, tu as la même piqûre ou c'est la même passion pour les chevaux? Oui. Ben nous autres, quand on avait 15 ans, mon père nous avait acheté des chevaux, moi et Benoît. Puis on faisait toutes les deux des classes de gymkhana. Puis à un moment donné, quand on est arrivé dans une petite compétition de gymkhana, il faisait boquer des chevaux. Je fais la même chose que Bit. Bit, on voyage beaucoup ensemble, moi, puis Bit. Ben, attends un peu, là, tu vas vite, là, boquer des chevaux, là, ça a l'air de quoi, ça? Boquer des chevaux, c'est mettre des chevaux dans des petites chutes. Pardon, français. Puis quand
quand on boque des chevaux, c'est la montée des chevaux sauvages qu'ils appellent. Ils mettent une petite sangle dans les flancs en arrière. C'est là qu'on... Quand j'ai vu ça, le cheval à ce moment-là, ben oui. Ouais, quand je voyais les chevaux sauter, je vois, j'essaie ça peut-être. C'est là que le kick a accompagné. J'ai continué à voyager un moment donné, j'étais allé aux États. On a passé, puis j'étais capable de comme vivre un petit peu avec ça. Mm-hmm. Payer mon gaz. Puis... Oui, bien ça, c'est d'autres questions que j'ai pour vous autres tout à l'heure. Est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie en faisant ce genre de compétition-là? Puis est-ce qu'on peut espérer aussi faire une vie de famille normale quand on est sur la route en tournée tout le temps, tout le temps? On vous revient tout de suite après ces quelques messages. As-tu une blonde? T'as vu ton auto, mon amour? Va te trouver ça, moi. Moi, pour les chevaux. Et François s'en va aux États-Unis. Et puis, toi, t'étais là aux États-Unis dans un rodéo. Puis tu rencontres François. C'est ça. Puis tu tombes en amour avec lui. Oui, mettons. Qu'est-ce qu'on se dit la première fois? On dit, t'as bien beau cheval? Non, je savais pas. Je savais pas que, premièrement, qu'il venait de la même place que moi. Sauf qu'il est venu me parler. Puis c'était... Par hasard, comme ça, on s'est ramassé tous dans la même place. Mm-hmm. Alors, ça veut dire que maintenant, si tu veux vivre avec lui, si tu veux être proche de lui, tu n'as pas le choix. Tu es presque obligé d'épouser cette même passion-là puis de le suivre. Mais j'aime ça beaucoup, là. J'aime ça l'encourager puis aller avec lui. Je trouve que c'est le fun. Mm-hmm. Parce qu'on va maintenant parler aussi à un couple, bon, des gens qui vivent ensemble, qui ont un bébé même ensemble. Il s'agit de Carole Lebeau et Denis Chauvette. Carole... Toi, tu as monté déjà des taureaux sauvages. Ça, je peux pas comprendre ça. Je peux pas comprendre qu'une fille se retrouve sur un taureau. D'abord, tu devais avoir une trouille pas possible. Tu devais avoir peur. Pas vraiment. Ça fait un bon bout de temps que j'étais dans un rodéo, puis ça m'a toujours intéressée. C'est quelque chose qui m'a toujours plus intéressée, les bœufs verts, puis les bœufs. Ça m'attirait tout le temps. T'sais, pomper l'adrénaline, c'est pas juste aux gars qui aiment ça, se faire pomper l'adrénaline. Moi, j'ai bien aimé ça pour ça. Ça a commencé bien, comme dans une clinique. J'ai pris une clinique d'une fin de semaine qui donnait. Puis là, j'ai aimé ça. Puis j'ai décidé de m'entraîner puis de persister. Comme au début, je m'entraînais régulièrement, là, deux fois par semaine, avec un gars qui ridait les bœufs. Puis j'aimais bien ça. Qu'est-ce qu'il faut apprendre pour être capable de maîtriser cette bête-là? Et puis, il s'agit quoi? Il s'agit de rester sur le bœuf le plus longtemps possible? C'est ça. Il faut rester sur le taureau pendant 8 secondes. Sans toucher, juste avec une main, sans toucher de la main libre. Ça demande pas une grosse force physique, mais ça demande d'avoir de la coordination physique, un bon entraînement. Comme tu n'as pas besoin de lever 200 livres pour rider un bœuf, sauf que ça demande quand même une bonne coordination de tous tes muscles pour que tu sois capable de travailler autant tes jambes que tes bras, que ton corps. Dis-moi quel effet ça fait à quelqu'un quand, je sais pas, moi, tu t'en vas prendre un verre quelque part, un café, puis dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Carole? Elle dit, je monte des taureaux sauvages. Tu sais, un gars, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit, oups? Il revient d'abord. Il dit, revient d'abord. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Bien, ça dépend. Je veux dire, moi, je le faisais pas pour me montrer aux autres. Fait que ça, c'est bien rare que moi, j'arrivais puis je lui disais, hey, je fais ça, tu sais. C'était plus pour le faire, parce que j'aimais ça. T'sais, pour le faire, pour me montrer de ça. Fait que y a beaucoup de gens que je connais depuis très longtemps qui ne savent même pas que j'ai fait ça. C'est quelque chose que j'aimais faire, point. Mm-hmm. J'aurais peut-être continué là, si j'aurais pas décidé de me caser puis d'avoir un enfant. Pis tout. Mais, Et t'appelles ça de caser, tomber en amour avec un gars comme Denis qui a monté des chevaux sauvages longtemps. Et puis qui maintenant, qu'est-ce que tu fais, Denis? On dit divertir. De taureau? Ouais, en français. Là. En anglais, c'est bullfighter. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ben, c'est mon but principal, c'est de, quand les riders, là, les gars font monter les taureaux sauvages, là, c'est que s'ils tombent en difficulté, ou faut que je sois là, moi, pour les protéger ou me mettre entre le taureau puis les gars pour... parce que les gars, quand ils tombent, ils ne voient pas tout le temps où est-ce qu'est le taureau ou quoi. Quand on tombe, on peut être étourdi un peu. On n'a pas le temps de se ramasser assez vite. Le taureau s'en vient, lui, il se met là. Je vais te mettre devant le taureau. Je saute pas, je vais fermer n'importe où. Je connais quand même le risque. Faut que je
si je passe, si je vais, je suis certain que ça va passer quand même à 50%. Des fois, ça passe pas. Des fois, ça passe. Je veux dire, des fois, t'as pas le choix, t'as pas le temps de penser. Je veux dire, le gars, il est là, puis il y a 5 pieds entre le taureau, puis le gars, mais t'essayes, tu passes. Si ça passe pas, ça passe pas. Si ça passe, tant mieux, t'as sauvé le gars. Mais t'espères qu'il va se passer quoi, là? Je comprends pas. Tu te mets devant le taureau? Ça veut dire, si le gars tombe, tu passes devant. C'est tout d'aller chercher, attirer le taureau. T'es pas obligé de te planter devant, rester là. Tu vas l'attirer. Si le taureau te suit, le cavalier, il sent l'air, il est correct. Mais c'est tout le temps de. Non. Okay. Si le gars reste pris, c'est d'aller le dépendre. On en a un, là, un divertisseur de taureau. Faut que je lui parle parce que depuis tantôt, il fait le clown dans notre studio. Ouais, parce que, alors, c'est ça. Toi, tu es divertisseur de taureau, ouais. Mais on t'appelle aussi un clown de rodéo. Puis j'imagine, Denis, qu'on dit ça de toi aussi. Ouais. Oui. Ça fait partie alors, de tout l'ensemble. On a toute l'animation, s'occuper des riders, puis s'occuper d'exciter les taureaux, c'est tout dans. Ça fait toute partie de notre job dans le rodeo. C'est un travail d'équipe, autant chez les riders que les compétiteurs, que le personnel, si on veut. Comme Denis, normalement, on est deux, même jusqu'à trois clowns, puis au besoin, il y a des riders qui vont descendre nous aider. On est conscient quand même de ce qu'on fait, là, on n'est pas fous. Mais comme Denis dit, on travaille, le but, il sort, c'est inusité. Qu'est-ce qu'il va faire à gauche, à droite, on ne le sait pas. On se place. On surveille. Si Denis a le bœuf, il va sur le bœuf, le rider tombe, moi je vais sur le rider. Si c'est moi qui ai le bœuf en face, ben c'est de valeur, mais là c'est moi qu'il faut qu'il y aille, puis Denis s'occupe du rider. Puis pourquoi tu es habillé comme ça? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ta façon d'attirer le taureau ou quoi? Ben, comme Denis dit tantôt, lorsqu'on arrive, puis on a 5 pieds à peu près, là, puis il faut qu'on passe devant, là, ben on aime mieux que des fois, comme il dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on y saute sur la tête. Fait que là, on va s'aider. Pour que le bœuf, lorsqu'il nous corne, qu'on revoie le plus loin possible. Puis, si c'est pas ça qui arrive, qu'il nous corne pas, mais ben, les couleurs qu'il y a là, puis tout ça, là, ça peut l'attirer. Ça l'attire, il va frapper ça à la place. Fait qu'on est bien contents, nous autres, dans ce temps-là. Mm-hmm. Ouais. Est-ce qu'il t'est arrivé, Denis, d'avoir très, très peur à un moment donné, de te dire, oups, là, j'ai fait un mauvais mouvement, j'ai fait un mauvais choix? T'as pas le temps d'avoir peur. Sur le coup, t'as pas le temps. Durant la rodéo, ça se passe assez vite, t'as pas le temps. C'est petit après. Là, t'arrives chez vous après le rodéo, puis là, tu te dis, ouais. Ben, ça passait proche. L'après-midi, tu sais, ça sert. Des fois, j'arrivais, j'ai tombé, puis que tu pars à courir, le bœuf court après toi, puis tu t'enfarges, tu tombes. Tu sais que ça venait après toi, là, tu viens de tomber. Tu cherches un trou, là, mais on va dire. Puis toi, Carole, là, t'es sur le bord de la barrière, là, puis tu regardes ça. Et plus. Ça dépend. La majorité du temps. Excuse Carole. Carole, on la voit pas beaucoup en grosse façade dans le ring, ouais. Mais elle est à l'arrière, puis quand c'est fini, elle ouvre les portes, puis là, elle est seule avec le taureau, là. C'est pour l'amener dans les chutes, là. Je la remarque, moi, je trouve qu'elle fait du bon travail. Puis elle appelle ça une petite vie rangée. On s'arrête là-dessus, on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Bienvenue au Joker Poker. Respect. À la conduite d'une Sonata, vous serez étonné par son luxe et ses performances. Venez faire l'essai d'une Sonata chez vos concessionnaires Hyundai de la Mauricie. Boulevard Jean 23, Trois-Rivières-Ouest et Boulevard des Hêtres, Shawinigan. Suggestions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante. Émission Claire Lamarche, Télémétropole, Casse Postale 1950, Montréal-Québec, HEL-446. Pour réserver votre place en studio, composez 514-790-0486. Parmi les cow-boys, il y a des gens qui montent des taureaux sauvages en compétition, alors que c'est très organisé. Puis Gildor me racontait que lui a commencé à faire ça. Oui, s'il vous plaît. Alors, vous avez commencé... Oh, il est grand, hein? Vous avez commencé à faire ça à l'âge de quoi? 7-8 ans? Parce que c'est à terre, on avait des limousins, puis l'hiver, à un moment donné, quand t'as fini de faire le train, t'as plus rien à faire, puis là, moi mes deux frères, on regardait dans paddock, puis dans stall, puis on disait, bon, qu'est-ce qu'on ferait bien aujourd'hui? Puis là, on pourrait essayer de monter ces bœufs. Alors, seulement, c'est ça qu'on faisait ça. Puis tu te demandais pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'ils sont là. Comme pourquoi qu'ils escaladent des montagnes parce qu'ils sont là. Il n'y a pas de raison logique à monter sur un taureau. Mais c'est le défi quand même. Ah ouais, c'est ça. Puis c'est lui qui t'a fait le plus longtemps. Puis on rentrait, puis on saignait du nez. Puis maman disait, qu'est-ce que vous faites? Mais moi, j'avais une question, par exemple. Oui? Pour le couple qui vont se marier, là. C'est peut-être niaiseux, parce que je pense que j'ai mal. Est-ce que vous allez vous marier à cheval?
Puis à Saint-Tite, ouais. Pendant le rodéo. Dans le rodéo, à un moment donné, on fait maintenant, mesdames non, et messieurs. Non, c'est la première fin de semaine de Saint-Tite, du festival. Là. Ah, nous okay. autres, on compétitionne à partir du jeudi d'après. Oh, fait que ça va être un voyage de noces, ça, c'est... Oui. Il y a une autre question que j'avais pour lui. Excuse, je ne me rappelle pas de ton nom. C'est quoi la pire, Yves, le pire accident qui t'est arrivé? Laquelle? Vraiment, moi, j'ai été chanceux, par exemple. La pire, ça pourrait être des côtes qu'on sait avec une cheville, mais des pires, j'en connais, il y en a en arrière de toi. Ça veut dire qui, ça? Qui a des pires? Toi, Benoît? François, oui. Qu'est-ce que ça a été comme accident grave? Veux-tu te lever? En 87, je pense que c'est une petite poignée qu'on a sur notre cheval, puis tout. Puis la poignée, elle va tourner en dessous. Puis c'est ça, j'avais resté pris pour un tour de ring. Là. Il y avait des côtes, ça faisait des poumons, puis... J'étais pas mal égratigné. Oui, puis tu te retrouves à l'hôpital? Oui. Tu te dis quoi quand tu te retrouves à l'hôpital? Ben, j'avais hâte de sortir de là. J'étais dans le New Jersey, dans le fin fond de... Moi, je sais qu'est-ce qu'il a dit. C'est quoi? Il y avait les tubes qu'il avait dans le nez, puis il dit « sortez-moi du site ». Toi, tu m'as dit que tu montais des taureaux sauvages, t'as 20 ans. T'as commencé à faire ça à 16 ans. Oui, depuis 4 ans. Uh-huh, j'aime ça, puis plus qu'il va en avoir, j'aimerais ça, moi, qu'il y en ait à tous les jours. S'il y en aurait tous les jours, je pense que j'en ferais tous les jours. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Le feeling. C'est le feeling. C'est dur, c'est le fun. C'est toute une bonne ambiance. On a... Ouais, en fait, semaine passée, on a fait un rodéo à Masquinongé, puis Bob a monté 8 têtes, 4 bœufs, 4 bronques, dans la même fin de semaine. Là, c'était un rodéo d'exhibition, là, qu'on allait là pour faire un show. Puis il enlevait ses chaps, puis il venait nous aider comme clown en plus après. Je lève mon chapeau. Franchement, tout le monde. As-tu une blonde, toi? Non, célibataire. Parce que les blondes doivent prendre ça difficilement, hein? Oui, mais il faut que tu trouves une blonde qui est pas mal dans le milieu, comme disait Caroline tantôt, parce que on s'accapare beaucoup de temps dans ce domaine. Avec, c'est pas pire, non, c'est pas pire. Il y a aussi tout l'habillement dont on n'a pas parlé depuis le début, les chapeaux, les vestes avec des franges, les bottes, évidemment. Et on a quelque chose dont on peut être fier au Québec parce que les bottes qui sont fabriquées chez vous et qu'on appelle des bottes... Ben, les bottes boulées, c'est les bottes western, c'est ça. Mm-hmm. On les retrouve maintenant un peu partout à travers le monde. Ben, disons, ce qui se passe au départ, le marché était principalement canadien parce que les bottes western qui se vendaient ici au Canada étaient toutes importées. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de fabriquer une botte peut-être qui était authentiquement canadienne. La réponse a été très bonne d'abord dans l'ouest du Canada, parce que c'est évident qu'il y a quand même plus de cowboys dans l'ouest du Canada. Ça s'est envenu finalement en Ontario et au Québec très rapidement. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a une très bonne réaction aux États-Unis, parce qu'on a maintenant un réseau de représentants aux États-Unis. Puis en France, il y a un engouement pour tout ce qui est western, américain, etc. Donc, on a quand même aussi une bonne place en France. C'est une histoire de famille chez vous. Qui a commencé ça? C'est le père, le grand-père? Le grand-père, c'est ça. Ça fait 3 générations. Puis toi, tu prends la relève. Tu es impliqué là-dedans c'est aussi. C'est ça. On est 4 frères à l'heure actuelle qui sont dans l'administration de la compagnie. Et puis, c'est notre grand-père au départ. Ensuite, c'était mon père avec ses frères. Et puis ensuite, ça se passe de génération en génération. Et puis, on essaie d'améliorer toujours du mieux qu'on peut. Toi, tu habites à Saint-Tite, où va se dérouler le festival. Bien, il est déjà commencé. Ça continue en fin de semaine prochaine. Est-ce que tu es un amateur? Est-ce que les rodéos, tu suis ça? Donc, je suis plus un amateur que d'autres choses. Je suis pas un rider Partisan. Comme les gars qui sont ici, effectivement. J'ai déjà fait du cheval un peu, mais c'est pas... Disons que je voyage quand même pas mal. J'ai pas nécessairement le temps à passer là-dessus. Mais j'aime bien le rodéo puis suivre les activités. Oui, c'est un fait. On en a un jeune de 13 ans. C'est toi, Guillaume. Je vais te demander de te lever. Tu t'en vas à Saint-Tite en fin de semaine et tu es le champion provincial de quoi, au juste? De course de Barry 13 ans et moins. Alors là, en fin de semaine, tu vas... As-tu ton propre cheval? Bien, c'est le cheval d'un de mes amis, là, il me le passe. Mm-hmm. Mais ça veut dire que tu t'es entraîné avec lui souvent? Oui, assez. Puis tu vas faire quoi? Tu vas essayer de sauter par-dessus les barils le plus rapidement possible? C'est pareil, comme Benoît disait tout à l'heure, là, c'est tourner autour des barils. Puis meilleur temps que gagne. Mm-hmm. On va faire ça, puis on va faire des pôles. Et il faut que tu gagnes, que tu gardes ton titre de championnat provincial. Bien, ça s'est déroulé dans le mois d'août. Mais là, ça, c'était le championnat provincial. Tu l'as pour un an. Oui. Tu es assez solide là-dessus. On te souhaite bonne chance, en tout cas, en fin de semaine. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu du genre de vie que ça vous fait. Parce que, bon, on a tendance à tomber en amour avec quelqu'un qui a déjà la passion des chevaux ou des taureaux sauvages.
Mais est-ce qu'on peut penser à faire une vie de famille? Est-ce que vous ne vous retrouvez pas en tournée tout le temps, tout le temps? Denis, comment vous le voyez, votre avenir? Non, je veux dire, on attend qu'on peut... Quand on a le temps d'y aller, on séduit notre vie pour le faire. On fait pas toutes les rodéos, on fait ce qu'on est capable. Puis si on a du temps d'aider notre famille aussi, on s'est séduit nos enfants. Fait qu'Aval va aider, arrête ses chevaux. Puis comme notre fils, on a bien gros ralenti. Avant, on allait plus souvent, comme des fois, j'allais souvent en Ontario, on allait dans les États sans même rider, aller quand même suivre les rodéos là-bas. Mais là, depuis qu'on a eu notre garçon, on a ralenti beaucoup. C'est sûr que ça... Mais là, il vieillit un peu, là. Il y a eu 2 ans. Fait qu'on va recommencer à l'emmener avec nous autres, ça va être beaucoup plus facile. Avec l'idée d'en faire un cow-boy un jour? Oui. Ben, il aime bien ça, là. Il est toujours en train de rider mon cheval, il ride tout seul, fait qu'il aime bien ça. Il y a 2 ans? Oui. Il tient tout seul là-dessus. Oui. Ça s'appelle commencer de bonheur, ça? Vous autres, vous allez vous marier l'an prochain. Est-ce que vous voyez que c'est compatible, ça, avec une vie de famille ensuite, ou...? Oui, moi puis Manon, on s'est connus à Saint-Tite, à peu près il y a 10 ans. La première fois que j'ai été dans une grosse compétition, c'était à Saint-Tite. Puis on va dire, j'ai eu le coup de foudre, j'ai vu Manon qui est rentrée dans le manège, elle faisait une parade avec le drapeau du Québec, puis j'ai dit, c'est elle que j'aime. On a commencé à sortir ensemble à Saint-Tite. Fait que cet été, on parlait de ça parce que ça fait longtemps que Manon parle qu'elle veut se marier. Puis cet été, on a parlé qu'on a rencontré Mme Tissefaut de Saint-Tite, qui était présidente cette année. Puis on lui a parlé si on pouvait se marier à Saint-Tite. Alors écoutez, on attend l'invitation l'année prochaine. Bien sûr. On sera là, ça nous fera plaisir. Merci beaucoup d'avoir été dans notre studio. À bientôt. Claire Lamarche vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Jeudi prochain à Claire Lamarche, notre cadeau du mois, Rock et Belles Oreilles. Un passé douloureux qui refait surface. L'histoire vraie. La conclusion. On m'appelait Steven, mardi, 19h. Chaîne Télévite, une station du réseau PVA. En bref, une présentation de Bell Canada. Bonsoir, Madame, Messieurs. Un conseiller spécial de Robert Bourassa, l'avocat André Tremblay, dont le nom a été associé à l'affaire Wilhelmy Radio Mutuelle, est indigné de ce qui se passe et se porte à la défense du premier ministre. Et puis un cas pénible, une mère de famille de Montréal dont la fillette de 14 ans était disparue, la retrouve dans un club de danseuses nues de Maniwaki. Oh. Oh. Petite sieste. Vous vous laissez tomber dans votre lit. Le téléphone sonne. Pas si vite. Avec l'afficheur, vous pouvez d'abord vérifier qui appelle. Je la rappellerai. Abonnez-vous à l'afficheur de Bell et voyez qui appelle avant de décrocher. Vous serez libre de répondre ou de rappeler plus tard. Les détails et d'autres nouvelles dans 1 heure. Mesdames, messieurs, je vais vous présenter mon idole de tous les jours, Alain Dumas, mesdames, messieurs, animateur de la plus grande. Merci, mesdames, messieurs. Wow, ça, OK. Oui, Alain, je vais dire quelque chose. Je suis un de la vie de tout ouais, j'ai emmené des filles qu'on dit, c'est tellement bon. À chaque fois que je regarde les taux shows à la télévision, je tombe à terre. J'ai ri tellement, c'est écœurant, mesdames, messieurs. La dernière fois, j'étais en dessous du saut. Mais j'avais du fun de regarder cette espèce de grand show, là. Le gars est arrivé, je me souviens, c'était une vidéo, avec toutes sortes de oiseaux roses en arrière de lui. Puis là, il s'est tombé à terre, a dit toutes sortes de niaiseries. Non, non, mais je m'excuse, monsieur, c'est pas drôle de vidéo, ça, là. C'est ad-lib dont vous parlez, là. Cac, c'est pas bon, j'avais dit des niaiseries. Maudit Colin. L'animateur a effectivement déjà joué dans un vidéo.
La cassette était restée poignée dedans, ce qui l'a tout démonté. Depuis ce temps-là, il est jaloux de son magnétoscope parce qu'il s'est aperçu que son magnétoscope avait deux têtes. Il a été pressenti pour jouer nu dans le prochain vidéoclip de Madonna, mais après l'avoir vu en audition, le réalisateur a décidé de lui donner un tout petit rôle. Et même les pressions de Madonna n'ont pu augmenter de quelque façon que ce soit sa participation. Pourtant, on dit qu'il est un des membres les plus actifs du club Vidéosex près de chez lui. Voici donc celui qui vit débat et qui vidéo, mesdames, messieurs, Jean-Pierre Cavalier. Attendez que l'avion atterrisse avant d'applaudir les pilotes. Attends. C'est neillé, c'est mieux dehors, on compte les pneus à briller. Qu'est-ce qu'il y a dans le dessous du toit? Pour solutionner un problème aujourd'hui, vous pouvez faire appel à une personne. Cette personne-là fait appel à un service, fait appel à un deuxième et un troisième service. Alors, pour changer une ampoule, ça peut peut-être prendre 15 jours, 3 semaines, ça dépend de la chance qu'on a. Pour nettoyer un égout, nettoyer les lieux en arrière, ça prend externe. Et ce que l'on veut, c'est justement une efficacité. Montréal, on le sait, veut se débarrasser de la gestion de ses marchés. La ville n'est pas traditionnellement dans le business d'opérer des commerces. C'est pas sa vocation première. Nous avons beaucoup, beaucoup de défis à relever. Et d'autre part, nous pensons que les utilisateurs ou leurs représentants pourraient créer une fonction commerciale encore plus dynamique. Il y a donc des négociations entre l'Union des producteurs agricoles et l'administration municipale. Mais ça traîne. J'ai eu beaucoup d'espoir au départ quand la ville nous a approché pour qu'on regarde ça ensemble. Et il me semble que c'était intéressant. Il semblait y avoir une volonté. Puis aujourd'hui, on réalise qu'il y a, je ne sais pas qui, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais il y a comme des gens ou une structure qui n'est plus intéressée à faire ça. Et c'est malheureux parce que plus ça traîne, plus ça risque d'échouer, en fait, cette transformation du marché public. Voyez-vous, le problème est assez simple. C'est le jeu de la négociation. C'est que vous avez d'un côté les commerçants qui sont bien conscients que la ville veut se débarrasser de ses marchés publics. Alors, ils n'avancent pas beaucoup d'argent. Du côté de la ville, on est prêt à favoriser les commerçants, mais on trouve leurs offres insuffisantes. Alors, pour faire monter les enchères, eh bien, on fait miroiter la possibilité de vendre les terrains et les établissements à l'entreprise privée. Si l'entreprise privée prend ça, paye ça le gros prix, veut faire des profits énormes rapides, bien, c'est évident que les maraîchers ne sont pas capables de supporter les locations qui seront nécessaires pour rentabiliser les mises de fonds et les rénovations qui sont mises dans ça. Mais je tiens à répéter encore une fois que les producteurs sont prêts à investir dans ça. Mais ils ne sont pas capables d'investir la totalité des argents nécessaires. Dans un contexte de vente, si jamais il y a vente, soyez assurés que deux conditions seront introduites dans le contrat. Un, la protection des utilisateurs actuels. Et deuxièmement, la vocation première sera protégée aussi. Madame, combien de poireaux? Pour un, c'est 50 sous. Et le consommateur dans tout ça? Eh bien, l'important pour lui, c'est que les marchés publics ne deviennent pas de ces supermarchés, mais demeurent des lieux de rencontre et d'échange où tout est plus personnalisé. Gilles Payette, à Montréal. Bref, l'inconnu demeure. Qui va acheter ces marchés publics? Eh bien, de deux choses l'une. Si ce sont des promoteurs, ils vont vouloir faire des profits, c'est normal, mais il n'est pas sûr que les maraîchers aient les moyens de payer les nouveaux loyers. Et si ce sont des spéculateurs, ils vont vite fermer ça pour les vendre aux plus offrants. Dossier à suivre, donc. Bon, c'est vendredi, nous faisons écho, comme d'habitude, à votre courrier. Encore cette semaine, vous avez été nombreux à nous écrire et à continuer surtout à réagir à notre dossier Dorval Mirabel. Marcel Le Sieur d'Oka, par exemple, nous reproche un parti pris en faveur de Dorval et nous dit « Il faut canaliser toutes les énergies dans la relance de notre réseau bi-aéroportuaire. » Jean Doyon, aussi de Montréal, qui, lui, s'en prend au bruit et au gaz d'échappement des avions et qui nous écrit « À cause de la pollution, c'est Mirabel qui gagne. Dorval doit disparaître. » Et puis enfin, Denis Bellemare de Belleuil qui y va d'une suggestion pour Mirabel. Celui-ci, dit-il, pourrait devenir le casino de Montréal. Dossier éducation maintenant, à propos du décrochage scolaire. Micheline Richard nous dit avoir démissionné de son poste de professeur et elle affirme il faut faire un grand ménage. Il faut alléger le contenu des programmes, les adapter. Facile. Faites sauter de la viande ou des fruits de mer, ajoutez une sauce aide culinaire délicieuse et pleine de beaux morceaux de légumes et servez sur un lit de riz. Aigre douce.
Vous en avez d'autres belles surprises? Que diriez-vous d'une sauce aux prunes épicées? Vin rouge et champignons ou miel? Les nouvelles sauces aides culinaires. La meilleure chose qui soit arrivée au riz depuis Uncle Ben's. Vous aviez raison, ça rehausse. Chaque année, la Pérade Ford Mercury vous fait parvenir la liste de ses clients. Des clients... Meilleur choix, meilleur prix avec les médaillés d'or de vos marchands Meubles Sélection. Télécouleur 20 pouces avec télécommande, 298 $. Ensemble laveuse sécheuse Inglis, 798 $. Mobilier de chambre 6 morceaux, 2116 $. Vos médaillés d'or, service inclus chez Lampron Meubles Notre-Dame du Bon Conseil, Lafrenière Meubles Masquinongé, P. Jacob et Fils Saint-Aigle et Clément Boisvert Meubles Trois-Rivières. Pour du choix à votre prix. En plus des délicieuses et savoureuses recettes de Claudette et Marie-Josée, vous trouverez dans chaque sachet Bon Appétit un coupon chanceux avec plus de 6 millions en argent à gagner. Trois chances de gagner. 1. Gratter 3 cases identiques et gagner 100 $. 2. Gratter et gagner l'une des 20 caves à vin de la SAQ ou l'un des 5 voyages pour deux en Italie. 3. Écouter l'émission Bon Appétit et gagner 500 $. Une deuxième série pleine de nouveautés. Un nouveau concours avec 3 façons de gagner. Dégustez la véritable cuisine grecque à la Maison du Zorba. Offrez-vous un succulent repas dans une ambiance typique et chaleureuse. Dégustez nos brochettes de poulet, souvlaki, filet mignon tendre et juteux, l'assiette terre-mère, moussaka et bien d'autres plats, cuisinés à partir d'ingrédients des plus frais. Pour dîner, offrez-vous une assiette de souvlaki pour 3 $ seulement. Amenez les enfants et ils se régaleront. Pour dîner ou pour souper, la cuisine grecque porte un nom, la Maison du Zorba, tout près du boulevard Mauricien, coin Gélina, Notre-Dame, Trois-Rivières-Ouest. Entrez dans la légende du Festival Western de Saint-Tite. Oui, du 11 au 20 septembre, c'est la 25e édition du Festival Western de Saint-Tite. 10 jours de célébration comme vous n'en avez jamais vu. Au programme, de l'action, des activités et du plaisir au maximum. Voyez le grand défilé Western, le fameux rodéo ou assistez aux nombreux spectacles. Oui, pour ses 25 ans, le Festival Western de Saint-Tite vous en met plein la vue. Soyez-y du 11 au 20 septembre. Voici maintenant les numéros gagnants du tirage Banco pour aujourd'hui. Certainement une solution, ou en tout cas une tentative de solution, et ça dépend de nos goûts. Mais entre la désorganisation totale et le fait de passer sa fin de semaine à travailler, ce qui fait qu'on a comme 2 jours de travail supplémentaire, parce qu'on fait toutes les corvées, tous les âges, là, le ménage, le lavage, le repassage, les poussettages, tout ça, et qu'en plus on prépare sa semaine, c'est une erreur, je pense. Et là, on vieillit, puis on se rend compte que peut-être qu'on a perdu des bons moments. Alors que ce que je veux dire à tout le monde, c'est que la fin de semaine, c'est le moment de se gâter.
de se faire plaisir, de faire la fête, tiens, pourquoi pas, un peu comme si c'était un début de vacances. Si c'était vos deux premiers jours de vacances, que feriez-vous? Vous auriez peut-être le goût de fêter un peu. Qui va faire les âges? Dans vieillissant, on développe des techniques. Comment tu fais les âges? Bon, ben, c'est bon. Elle n'a pas un mari qui partage, elle. Moi, j'ai eu la chance. Oui, ben oui. Ah, ben, c'est parce que, voyez-vous, nous... C'est pas le âge, là. Quand on est séparés, là, c'est plus difficile. Ah, voyez-vous? À distance. Et comme c'est le cas de bien des familles aujourd'hui, alors on se retrouve avec les... C'est un avantage, évidemment, d'être à deux. Oui, ça aide beaucoup, effectivement. Surtout quand on élève des enfants. Oui. Qui va faire, justement, tous les âges? Ouais. Bon, alors, on a réfléchi très, très fort. On s'est dit, il y a quand même des moyens de s'en sortir. Et le moyen, c'est vraiment de se dire, par exemple, une fin de semaine, ça dure deux jours. Alors, pourquoi pas dire, on va prendre une demi-journée... Le matin, le samedi matin, le samedi après-midi peut-être, ou toute la journée s'il le faut, pour faire toutes ces tâches-là, alors c'est là qu'il faut être organisé, c'est-à-dire pas comme moi. Il ne faut pas que vous disiez samedi matin après le café, bon, qu'est-ce que je vais faire? Non, non, il faut quand même planifier un peu. Tu comprends, tu nous organises notre journée de demain. Oh, tu voulais prendre un café au lait, au lit. Oui, mais toi, Daniel, la journée. Toi, Daniel, t'es libre. Oui, tu peux faire ce que tu veux. Le problème, c'est vraiment... Alors, je toujours la minorité. Moment oui, je dis toujours, quand les gens qui n'ont pas d'enfants n'ont pas de problème. Ah, là, cependant... c'est vrai. Cependant, oui, mais j'ajoute quelque chose. Oui, on va se défendre. Vous avez des animaux. Oui, mais enfin, c'est évident que je ne vais pas nettoyer les stalles, tu le sais. Mais il y a, par exemple, le fait de l'éloignement de la campagne, que tout ce qu'on doit faire devient beaucoup plus long. Par exemple, aller faire l'épicerie ou aller chercher les journaux. Oui, mais tu peux être seul en ville, Gérard-Marie. Aussi. Oui. Alors, je pense que ton sujet est très universel. Bon, en fait, ce que je vous propose, ce n'est pas des solutions, là, des recettes toutes faites, mais peut-être un petit peu de réflexion. Ce que je voulais dire surtout, c'est que la fin de semaine, le fameux week-end, c'est une source d'équilibre dans la vie. Et en me documentant là-dessus pour préparer cette chronique, j'ai appris des choses intéressantes. Les gens qui sont capables de décrocher la fin de semaine, sans se culpabiliser, très voilà. Important, ça, c'est bien. Sont généralement plus créateurs et plus productifs au travail. Rien que ça, c'est très rare. Très rare. Ben, les gens qui... C'est très important de prendre du temps pour soi. Vraiment pour soi, de façon égoïste. Là. De concentrer, par exemple, le samedi jusqu'à 3 heures, toutes les choses qu'on doit faire. Et ensuite... Le café, ensuite, les journaux exactement, du dimanche matin jusqu'à 3 heures. Autrement dit, non, moitié discipline, moitié on fait ce qu'on veut. Voilà. C'est ça, le juste milieu dans la vie. Ce que j'allais dire, c'est que les gens qui sont incapables de prendre du temps pour eux-mêmes, de façon égoïste, je pense beaucoup aux mères, parce que je pense qu'on a souvent ce problème-là, on développe à la longue une pauvre image de soi. Donc, c'est important pour l'équilibre psychologique, pour la santé aussi. C'est important, bon, on va parler du plein air tout à l'heure, de prendre contact avec la nature. On devrait se donner, là, toutes les fins de semaine, un moment pour ça. C'est important de changer de rythme, autrement dit, par rapport à la semaine, de changer de décor aussi. Si vous vivez à la campagne, si vous passez votre semaine à la campagne, bien, ça peut être intéressant de venir à la ville, de faire des choses dans un contexte différent. De se donner l'impression, bref, qu'on a eu une fin de semaine, qu'on a vraiment eu un week-end et qu'il y a eu une différence par rapport à ce qu'on vit la semaine. Et je pense que c'est vrai. Et peut-être surtout vrai aussi pour les gens qui ne travaillent pas. Bon, entre guillemets, là, parce que les femmes qui sont à la maison, par exemple, avec des jeunes enfants, qui ne travaillent pas à l'extérieur, ont besoin aussi d'un changement. C'est bon pour notre santé mentale, pour notre équilibre. Êtes-vous d'accord avec ça, Mme Blanchet? Ah oui, ça date de la Bible, mais moi, je m'inquiète des heures d'ouverture du dimanche à cause de oui, ça. Oui, effectivement. Nous, on a fait une lettre contre ça, et on s'est fait, évidemment, vilipender. C'est pas par hasard que la société a imposé des rituels? Ben oui, c'est très ancien. Le septième jour, Dieu se reposait. Alors c'est ça. Des petits trucs rapides que je peux donner aussi, c'est qu'il y a moyen de récupérer du temps. Souvent, on va passer, par exemple, du temps au téléphone avec une amie qui, elle, n'a que ça à faire et qui va vous grucher votre temps. Il faut apprendre à éliminer toutes les dépenses de temps inutiles. Apprendre à brancher son répondeur, même le samedi. Absolument. Et puis, à joindre l'utile à l'agréable. Vous pouvez tout à fait passer l'aspirateur en écoutant avec votre baladeur un disque que vous n'avez pas le temps d'écouter la semaine. Etc., etc. Moi, je sens que tu as un allié qui se prépare à ajouter des munitions à tes affirmations. C'est Daniel Caron qui est avec nous encore pour deux semaines, en fait, qui est directeur des communications au Regroupement Loisirs Québec. Et Daniel nous parle loisirs. Daniel, tu as une définition
Québécoise du plein air. Du plein air, et oui. C'est vrai qu'on a de l'air. D'office, je dirais que le plein air est sûrement un bon moyen de décrocher, parce que pour bien décrocher, il faut être dans une situation complètement différente de ce qui est notre quotidien, donc sûrement que la nature est le meilleur endroit. Mais le plein air, bon, c'est une définition un peu complexe. On est en plein air, c'est de plein air, en tout cas, c'est une dynamique de définition un peu compliquée, sauf qu'au Québec, ce que les gens ont généralement adopté, ils définissent le plein air comme quatre paramètres, c'est-à-dire c'est une façon de vivre, c'est une situation de relation avec la nature, donc action sur de la nature sur nous et l'inverse. C'est une façon active, c'est-à-dire qu'on est en général dynamique, en mouvement, harmonieuse, critère important à l'époque des préoccupations environnementales. La nature n'est pas une arène de boxe, c'est un endroit où effectivement on entre en relation d'intégration en milieu naturel. Donc, cette quatrième dimension-là, qui est l'intégration, est très, très importante. Le plein air québécois se définit un peu de cette façon-là, là, comme quatre composantes. Comme loisir, le plein air se distingue, de beaucoup d'autres pratiques, puisque c'est celui qui nous ramène vers les sources de la vie, celui qui nous fait reprendre contact avec ne serait-ce que les rythmes naturels, les différents éléments qui composent la nature, les éléments, le vent, l'air, l'eau, les saisons. Donc, je pense que c'est un des loisirs qui a le plus de contribution à notre évolution personnelle, en tout cas, à un retour sur soi-même et en soi-même, sur le sens de la vie, même jusqu'à un certain point. C'est lui qui se pratique le plus en fin de semaine, puisqu'on parlait de changement nécessaire, et là, tu nous proposes un changement tout à fait... Le problème qu'on a, en fait, c'est cette incapacité à décrocher, à faire le geste de dire que, somme toute, la tâche ménagère n'est foncièrement pas si importante que ça. C'est le système social qui nous amène à faire qu'il faut faire le ménage, il faut que ce soit propre, s'il vient quelqu'un, etc. Mais l'opportunité du plein air, il faudrait réussir à faire le mouvement. Tout à l'heure, notre collègue disait, « Oh, mercredi, on m'a invité à aller faire du canot, j'ai hésité. » Mais finalement, j'y vais. C'est justement ce moment-là où il faut dire oui puis s'embarquer parce qu'on a mille raisons de ne pas faire quoi que ce soit. Ça, c'est vrai. Je vous dirais peut-être comme des étapes dans l'intégration, parce que bien vivre le plein air, c'est aussi une sorte de processus là, dans lequel on doit se remettre parce que ça n'a rien à voir avec la vie urbanisée, donc on doit se décrocher, apprendre des choses. Il y a comme trois étapes dans ça. C'est la première, je pense, quand on entre en contact avec la nature, on est des urbains la plupart. Donc, il y a une période de familiarisation. On apprivoise le milieu, on s'apprivoise soi-même par rapport aux craintes que peuvent susciter le milieu naturel. Quand on a franchi cette étape-là, on en arrive à une suivante qui est celle de l'apprentissage. On a un souci de connaître pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela, pourquoi il se passe ceci. Je prendrai un exemple qui me rapporte aussi sur une activité que je fais avec beaucoup de passion, qui est l'exploration des cavernes, la spéléologie. La première fois qu'on entre dans une grotte, on a besoin d'être apprivoisé parce que c'est l'état de choc, il fait noir, c'est humide, etc., toutes les valeurs qu'il y a derrière. Après ça, on y retourne et on apprend, on est intrigué. Pourquoi il y a ceci? D'où vient le stalactite en question, etc.? Puis après ça, on a le goût d'aller plus loin. Fait que donc, on est dans une troisième phase. Et en général, c'est comme ça quand on s'intègre dans une activité de plein air, on progresse. Et où est l'émerveillement là-dedans? L'émerveillement, il vient de notre capacité à décrocher, justement. L'émerveillement suppose qu'on efface le rationnel. Parce que dans toute activité de plein air, les trois composantes, je dirais les trois composantes importantes, il y a une composante corporelle, c'est-à-dire qu'on ressent, on bouge, on a l'activité, il y a une composante affective, il y a la motivation qui entre en jeu, il y a la peur devant une nature qu'on ne connaît pas ou qu'on ne contrôle pas, il y a le courage de celui qui a fait du ski pendant 10 km, puis là, il dit, c'est loin pour le retour, fait que là, ça y prend un peu de courage et ça suscite un peu et même beaucoup celui qui prend une randonnée en montagne et qui va atteindre le sommet, donc il va aussi avoir de la satisfaction. Il y a toute cette dimension-là, puis il y a aussi évidemment le côté, la composante intellectuelle de l'homme, de l'être n'est pas oublié non plus, puisque quand on fait ces activités-là, en général, on apprend, on découvre, on essaie de comprendre, on est curieux, donc tout ça, en fait, est intégré au plein air, là. Et d'une certaine façon, dans le fond, vous êtes un très bon oui, dans le fond, vous parlez à la bonne personne. Mais je veux dire, il suffit que de se laisser aller à tout ça, parce que si on va se promener en forêt et qu'on est bon, on y est, donc on apprécie, on regarde les arbres, on sent les odeurs, on touche les choses, donc tout est là, quoi. En fait, tout est en place. On n'a pas besoin nécessairement de... Mais c'est un peu comme soulignait Sylvie tout à l'heure, c'est nous qui sommes le coupable dans ça. C'est-à-dire qu'on voit en nature, mais... Le plein air est un peu rendu difficile ici au Québec à cause de l'hiver. Moi, c'est une des barrières, en tout cas. J'adore l'été, le printemps, l'automne et tout, mais l'hiver, là... C'est difficile. Je
suis pas fait pour monter l'Everest, en fait. C'est sûr, là, je veux dire que le plein air au Québec, il est ce qu'il est, mais je pense qu'on n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire qu'on peut décider de souffrir toute notre vie de l'hiver, parce que, évidemment... Ce que j'ai décidé, d'ailleurs. Ce que tu as décidé, donc... Est-ce que tu fais très bien, là? Pourtant, justement, quand on fait des activités de plein air l'hiver, et ça prend peut-être un peu de volonté au départ, ou quelqu'un qui nous pousse à le faire, je trouve que c'est la meilleure façon d'aimer l'hiver, justement. Pleinement d'accord. Ça aide à traverser le ski de fond. Oui. Je me force à sortir. Quand il fait moins 20, je trouve ça très dur. Mais vous habitez une jolie campagne. Ben, j'habite en banlieue, j'habite près de la nature. Je ne peux pas imaginer... Vous me rappelez quelque chose. C'est que le bonheur... Vous savez, les enquêtes montrent que le bonheur est dans les régions. Et une des dimensions intéressantes, c'est que dans les régions, on vit dans la nature et au rythme de la nature. On ne se lève pas avant que le soleil se lève, ou on se lève avec le soleil, on se couche avec le soleil. C'est absolument extraordinaire. Remarquez que la télévision a fini par changer ça. C'est tout à fait dommageable, parce que nos ancêtres vivaient comme ça, et c'est normal. L'hiver, on devrait pouvoir dormir, hiberner, et ne pas être obligé d'aller au travail de 9 à 5. C'est la chose la plus destructrice, ça. Ça, je suis sûre qu'il vous bénit pour vos paroles. Et aussi, il fait bien. Je ne connaissais pas son faible. Daniel, après cet échange, est-ce qu'on entre bien dans ta philosophie? Est-ce que tu peux conclure facilement? Alors, moi, je dirais que de toute façon, ce qu'il faut prendre, et surtout à cette époque où l'environnement est un enjeu majeur, il n'y a pas beaucoup de façons d'autres que d'apprécier la nature, que d'entrer en contact avec. On peut toujours s'imaginer qu'on va la voir à travers une vitrine puis dire c'est beau les arbres, mais si on veut convaincre les gens de l'importance de la nature sous toutes ses formes, qu'elles soient petites ou grandes, il faut vraiment l'apprivoiser, il faut vraiment entrer en contact avec. Alors, dans le fond, il y a un vieux principe en pédagogie qui dit on ne connaît bien que ce que l'on a vécu, mais la nature, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Daniel Caron. Madame Blanchet, vous êtes déjà en région, c'est ça, parce que vous êtes dans la région de Québec, vous êtes un petit peu en banlieue, vous venez de dire un mot extraordinaire qui va faire le bonheur de... Les gens de Québec n'aiment pas ça, Gérard. Non. Les gens de Montréal, là, c'est quand même très urbain, hein? C'est quand même une assez grande oui, ville. Oui, mais on n'est pas en métropole et on n'est pas... Moi, je suis très heureux, de toute façon, d'être à l'extérieur de Montréal et de ne pas vivre à Montréal comme tel. Mais il faut bien de toute façon, autour de Montréal. Honnêtement, on habite tous en banlieue, là. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire. Mais j'en arrivais à ce bonheur qui est dans les régions, dans le sens très, très progressiste du terme, parce que Guy Rosa voulait profiter de votre présence pour faire sa chronique, ou enfin le bout de son entrevue avec vous, autour de ça. Alors, Guy? Bien, écoutez, la première chose dont je voulais vous parler, c'est de se poser la question, est-ce que le gouvernement fait confiance aux régions pour qu'elles se développent elles-mêmes? Parce que c'est un problème, il y a une crise majeure dans le développement des régions, et on sent qu'il y a un peu de tiraillement entre le gouvernement du Québec là, et les régions. Est-ce que le Québec fait confiance aux régions pour leur développement? Et je crois qu'il faut distinguer entre l'appareil politique et l'appareil administratif. Du côté de l'appareil administratif, je crois qu'il y a énormément de réticences. Ville-Marie, tu sais, il est chassé, rappelé en France, suite à toutes sortes d'intrigues du pouvoir et de Louis XIV et de tout ce monde-là. En fait, c'est un édit de Louis XIV, je pense qu'il le ramène. Et alors, on a tourné le départ, on a tourné ça au Saguenay. Ouais. Alors, toute la journée, on a tourné sur le quai, le bateau avec les rameurs, tu sais, en beau costume, 17e, tout le monde en perruque. C'était magnifique, là. Un splendide décor. Et puis c'était une journée où il ventait beaucoup, alors il y avait des drapeaux qui s'en allaient les au vent, plumes, puis des chapeaux, les perruques, les cheveux qui revolaient dans le vent. Puis vers la fin de la journée, là, on s'est dit, bon, il faut le filmer, Maisonneuve, sur le fleuve, en principe, qui s'en va. Alors moi, je suis parti avec les rameurs, on a été remorqués jusque dans le milieu du Saguenay, puis là, on a commencé à faire les plans où on voit Maisonneuve qui s'en va. Mais moi, j'étais dans le bateau, je regardais la caméra, puis là, tranquillement, je voyais tout le plateau se vider. Les acteurs sont partis, les figurants sont partis, l'équipe est partie. Finalement, j'étais comme tout seul au milieu du Saguenay, puis il y avait juste deux petits bonhommes derrière une caméra qui regardaient. J'étais même pas sûr qu'ils me filmaient vraiment. C'était un étrange sentiment, c'était assez comique. Ils vous ont ramené quand même? Ils m'ont ramené. Mais à un moment donné, j'étais inquiet. J'ai dit peut-être qu'ils vont me laisser descendre carrément le Saguenay. Vous êtes allé tourner ça au Saguenay parce que c'est assez gênant dire Paul de Chomédé, sieur de Maisonneuve, quitte, et puis là, on voit le pont Jacques-Cartier. Oui, c'est un petit peu gênant. Ça a un peu changé. Mais écoute, c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est la baie des Ors. Oui.
Ah, c'était extraordinaire. Le paysage est fabuleux. Je sais pas si on va reconnaître Longueuil puis la Rive-Sud, mais en tout cas, c'est très beau. Oui, les Saint-Hélène étaient comme énormes. Tu en face de... Oui. Mais non, ça va marcher, hein? À la fin du mois de septembre, mesdames, messieurs, au TNM, à compter du 29 septembre, oui. Un Pirandello... Six personnages en quête d'un auteur. Il se passe quoi là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Drôle d'histoire, finalement. Vous allez en parler sans doute avec Mme Bissonnette tantôt, mais tu sais, l'histoire, essentiellement, c'est six personnages qui ont été écrits, mais qui n'ont pas été achevés par l'auteur. C'est comme si l'auteur a dit, oh, finalement, il ne m'intéresse pas tellement. Fait que, il les a laissés, il les a mis de côté. Et ces six personnages-là se retrouvent tout à coup, ils cherchent un lieu pour exister. Ils veulent que quelqu'un les finisse, sont incomplets. Et ils viennent dans ce théâtre-là. Et le directeur de théâtre, que moi j'incarne, voit arriver ces espèces de bizarres d'êtres qui disent « Nous sommes des personnages, on fait partie d'une histoire, on cherche un auteur. » Lui, il dit « Mais écoutez, moi, j'ai rien à faire. T'sais, on est déjà en train d'en monter un show, mais il n'aime pas le show qui est en train de monter. » Fait que là, il commence à écouter l'histoire que ces personnages-là se racontent, et tranquillement, ça l'intéresse. Et eux, sournoisement, lui proposent de devenir l'auteur qui va les écrire, de telle sorte que, finalement, attirés par la gloire, ils décident de faire un genre de création collective, si j'ose dire. Ouais. Et on va assister à l'histoire de ces six personnages-là, qui, finalement, vont finir par la raconter. Ouais. C'est une belle pièce, un petit peu compliquée dans ses intentions, mais relativement simple dans ce qu'elle raconte. Et vous travaillez avec Brassard. Ah oui, avec André Brassard. C'est la première fois que vous travaillez avec André Brassard. C'est la deuxième fois que j'ai travaillé avec lui l'automne dernier dans un... Comment il vous dirige dans un truc comme ça? Il est bien drôle, André. D'abord, c'est un gars très sympathique et très drôle, qui fait beaucoup de calembours. Il est toujours en train de faire des mots d'esprit. Et puis, il a la même attitude que nous. C'est-à-dire qu'il arrive comme devant la pièce avec l'esprit neuf. Il découvre la pièce en même temps que nous autres. Et il réagit. Il est très lui-même par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'histoire, par rapport au personnage. Puis là, alors il se lève de temps en temps, puis là, il vient... Ben oui, mais c'est pour ça, puis il a un langage assez coloré, disons. Alors, on s'amuse beaucoup avec lui. Est-ce qu'il vous laisse un peu de corde? Il nous laisse beaucoup de corde, non. Il nous laisse... Alors, lui, son principe, c'est... Le cours du combattant, Annie! C'est bravo, Bob! Ça m'a fait plaisir de vous réentendre. Vraiment. Restez un peu avec nous, hein? On se retrouve, non pas demain, parce que demain, c'est... qui rafraîchit votre haleine plus longtemps. Excel, fraîcheur, excellent. Seul Excel avec EMC vous offre une vague de fraîcheur qui dure et donne de l'éclat à votre haleine plus longtemps. Excel, fraîcheur, excellent. Rafraîchissez votre haleine plus longtemps avec Excel, la gomme sans sucre. Fraîcheur, excellent. Ils sont d'accord pour laisser venir les enfants au Canada, sauf un. J'ai l'impression qu'on n'aura pas de difficulté à mettre notre plan à exécution. On dirait que t'as hâte que maman meure. La guerre des clans, la conquête du pouvoir, c'est la misère des riches. Mardi, 20h. Là, vous êtes en pays de connaissance. Mesdames, messieurs, la dame que je vous présente a un CV fort impressionnant, parsemé de nombreux doctorats, journaliste jusqu'au fond de l'âme, elle anime sur TV5, les rédacteurs en chef, mais elle est surtout directrice du quotidien Le Devoir. Elle nous présente ce soir son premier roman, Marie suivait l'été, mesdames, messieurs, Madame Lise Bissonnette. Je pensais vous voir avec une grande perruque blonde puis des plumes, une émission de variété, Madame Bissonnette. Vous avez l'habitude de me parler à la radio, alors vous savez pas. J'avais l'habitude, là, c'est Blouin qui vous parle à la radio. Ouais, fait plaisir de vous voir, Madame Bissonnette. Ben, fait plaisir aussi d'y être. Quel étonnement en lisant Marie suivait l'été. Enfin, avouez que vous avez étonné un peu, non? Je sais pas, moi. Ben, quand même, je l'avais annoncé depuis longtemps que j'allais faire un roman. Mais vous n'aviez pas annoncé vos couleurs. Vous avez dit un roman, mais oui. Pas teinté d'une
teinté d'érotisme, comme il est teinté. Puis teinté, le mot est faible, c'est un euphémisme. Non. Monsieur Cassidy ne l'a pas lu, donc tu ne peux pas témoigner. Mais je vais le lire après cette présentation. Je vais témoigner. Il y en a un peu ici et là. Ouais, mais raconte. Il n'est pas rempli de ça. Non, c'est pas rempli de ça. Mais racontez-moi d'où vient là, Marie suivait l'été. Vous êtes allée chercher ça. Oh, ça fait très très longtemps que j'avais commencé à l'écrire. Je crois à l'été 1974. Ça remonte à très longtemps. Et je l'ai laissé tomber. J'avais justement les personnages en quête d'auteur. J'avais placé mes personnages, puis ils étaient restés là. Et puis ensuite, le journalisme m'a comme ramassé, empêché de continuer. Remarquez, c'est une excuse. Hein? On peut, quand on veut écrire, on écrit, on s'assoit, puis on le fait. Je n'ai pas eu la discipline de le faire pendant des années. Et quand j'avais le temps de le faire, je ne l'ai pas fait. Et quand je suis devenue directrice de devoir, je me suis dit, c'est terminé. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Donc, je me suis assise durant mes vacances de 91, et je l'ai fait. Et continuer un peu cette année. Mais la critique, elle est très bonne. La critique est très bonne. Oui. Mais la critique, dans votre milieu immédiat, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mon père et ma mère m'en ont pas parlé encore. Ils doivent être en train de le lire. Non, autour de moi, les gens qui me connaissent et qui l'ont lu sont aussi gentils que la critique, disons. Ouais. Mais eux, ils ne sont pas étonnés, vous voyez? Ouais. C'est ça la différence. Mais le moins que je puisse dire, c'est que les petites filles sont précoces là-dedans. Puis il y en a d'autres qui sont moins. Les filles de l'Abitibi, etc., etc. Mais j'ai remarqué, je n'ai jamais nommé l'Abitibi. Tout le monde le reconnaît parce que je viens de là et que j'ai décrit des paysages et des endroits qui ressemblent à ma ville natale. Qui est? Rouyn-Noranda. Qui est Rouyn. Et on imagine que c'est ça, mais j'ai fait exprès. Il n'y a pas, le mot Abitibi n'est pas là, ni Rouyn-Noranda. Ça pourrait être n'importe parlez... où. Non. Oui, non, ça pourrait être n'importe où dans ce genre de ville. Vous parlez de Bellecombe là-dedans. Ah oui, c'est qui est en Abitibi. Oui, c'est juste à côté. Je parle même du lac Ossisco, je crois, j'ai nommé le lac. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce type de ville-là, ça pourrait être n'importe où dans le monde. Enfin, il y en a d'autres. Ouais. J'ai vu des villes comme ça en Alaska. Il y en a d'autres, c'est des régions frontières où les gens errent, arrivent. Il y a des immigrants de l'intérieur, des immigrants de l'extérieur, des gens qui sont là, mais qui cherchent à aller ailleurs ou à penser à autre chose. Est-ce que je me trompe ou si je ne trouve pas là-dedans, Mme Michelet, un grand courant d'amour? C'est des femmes qui vivent et des hommes qui vivent, mais il n'y a pas de grand courant d'amour. Avec une qualité de cœur qui...
on prend une patate frite. Il n'y a rien là. Nous autres, on travaille. Moi, j'ai pas déjeuné, j'ai pas dîné. Lui, il est là, mange sa frite, comprends-tu? Merci, mon Louis. Oh, bon, à part de ça. On l'a, la gang. Non, pas de coke, merci. Merci, des plans vont être malades. Oh, non, hey, avec une graisseuse de même, un coke frette. Les plans, pour ça tombe sur l'estomac. Oui, bonjour! Bonjour! Bonjour, ça va bien? Oui, et toi? Ah, t'es en forme, ça se peut pas. Je voudrais te dire félicitations pour ton émission, je trouve ça le fun. Merci. Hey, à votre voix, vous, vous êtes pas vieille, là. Non, je suis pas vieille. Ça veut dire quoi? 16 ans. 16 ans. Qu'est-ce que vous recherchez chez un homme? Ben, la confiance. Ça prend que je peux faire confiance en tout temps. Ça veut dire quoi, ça? La fidélité. C'est ça. La fidélité. Le sens de l'humour. Oui. Puis le dialogue. C'est très important, là. Tu sais, pouvoir y parler, là, quand j'en ai besoin, pouvoir y parler, tu sais, puis que je sache que je t'écoutais en même temps. Avez-vous un chum? Non, pas en ce moment. Parce que vous n'avez pas trouvé le gars qui a le sens de l'humour, puis qu'il est fidèle, puis... C'est ça, je ne l'ai pas encore trouvé, je le cherche encore. Peut-être qu'à 16 ans ou 17... Une fille de 16 ans, ce ne sort pas avec un gars de 16 ans, ça. Non. Un petit peu plus vieux, hein? Oui, oui. Ils sont volages. Mm-hmm. Moi, je me suis laissé dire par des gens d'expérience qu'à 18 sont volages, puis à 40 sont plus tenables. Attention à ça. Dites-moi, est-ce que vous envisagez de faire une vie de couple un jour? Oui. Quelles seraient vos grandes valeurs de couple? Mes grandes valeurs de couple? Oui, admettons, ben, vous avez eu des parents. Est-ce que vous voulez reproduire le modèle que vos parents ont été, par exemple? Oui, bien moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est... Comme, mettons, si j'aurais des enfants, montrer à mes enfants, là, tu sais, qu'on s'aime, qu'on est unis, là. Mm-hmm. Puis, c'est ça, là. C'est l'amour, dans le fond, là. Est-ce que c'est le modèle que vous avez eu? Oui. OK. Alors, vous voudriez un peu reproduire le modèle que vous avez connu chez vos parents? C'est ça. Voudriez-vous travailler? Oui, ben oui, je veux travailler. Je veux pas rester à la maison, je serais pas capable. Je suis une fille qui aime bouger, fait que ça serait important pour moi de travailler. OK. Que ce soit cute ou pas cute, vous, ça n'a pas d'importance. Non, moi, c'est plutôt l'intérieur que je regarde, plus que l'extérieur. Mmh. Alors, vous, là, il peut... pas nécessaire d'être un acteur, là. C'est ça. OK. Ben merci beaucoup, mademoiselle. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Oh, hey, juste avant. Oui. Vous, c'est quoi votre grande qualité? Pourquoi vous seriez intéressante? Pourquoi moi, je suis intéressante? Ouais. Vendez-vous un peu, là. Ben, je trouve que je suis une personne assez simple, là, dans le fond, mais... Ben, je le sais pas, là. C'est une question, c'est dur. Êtes-vous fidèle? Oui, je suis fidèle. Avez-vous le sens de l'humour? Oui, je l'ai. Bon. Ben, je suis dynamique, c'est une personne très dynamique. J'aime ça que ça bouge, là, puis je pense que c'est le fun. Il faudrait pas que vous trouviez un gars qui aime trop ça bouger non plus, parce non, que... Non, c'est sûr. Ça prend un plus calme. Oui. Croyez-vous que vous allez réussir votre union? Je pense que oui. Allez-vous tout faire pour que ça marche ou s'il y a une zone que vous toucherez pas? Et au-delà de ça, là, tu dis ça, c'est mes frontières. Je m'excuse, là, mais si c'est pas ça, tout c'est bien que ça casse. Non. Je vais regarder en gros, là, mais tu sais, même si ça touche pas tous mes points, là, je vais essayer de tout faire pour que ça marche. Merci, mademoiselle. Merci. Dites-les pas en partant, parce qu'il y en a qui peuvent ambitionner. Au revoir. Bye-bye. Tu sais, la fille qui commence à dire, moi, je vais tout faire pour que ça marche. Le gars dit, ouais, ben parfait. Tu sais, c'est dangereux, ça. Oui, bonjour. Bonjour, M. Mongrain, ça va bien? Très bien, madame. Oui. Alors, c'est la vie de couple aujourd'hui? Oui. Ben, franchement, là, moi, je sais pas, mais il me semble que la vie de couple, c'est très, très dur aujourd'hui. Pourquoi? Ben, les années 92, il y a trop de choses qui se passent aujourd'hui. Vous, est-ce que vous avez vécu en couple? Est-ce que vous vivez en couple? J'ai vécu en couple. Combien de temps? Ça aurait fait 5 ans, fait du travail. Bon. Et ça... puis au début, ben tout allait bien. Hein? C'était sur un plateau d'argent. Touche pas au ménage. Fais pas ci, fais pas ça. Moi, je vais le faire. C'était lui qui disait ça tout le temps. Parce que je travaillais de nuit. Mais après ça, ben too bad, ça a changé de bord. Je veux dire, le vent reviré, puis... ben là, il a changé, il a rencontré une autre femme. Là, tu sais, je veux dire, là, tu le poignes avec une autre femme, c'est encore plus tough. Puis le monsieur, tout le temps de sa vie, il dit, moi, je n'ai rien qu'une dans ma vie, je n'aurais pas 10. Oui. Tu sais, c'est assez compliqué. Puis quand tu vois ton père qui a bu toute sa vie, tu dis à ta mère, ben mec, je ne marierai pas un alcoolique. Mm. Alors, j'ai marié, quand je me suis marié en 60, j'ai marié un alcoolique sans le savoir. Parce que tout allait bien au début. Et puis après ça, ça a commencé, tu sais, tranquillement, pas trop vite. Ah là, on l'est, là. On est dedans, là. Oui, vous oui. allez me dire quelque chose, madame. Oui. Quel âge aviez-vous quand vous avez rencontré ce monsieur avec qui vous n'êtes plus, là? Présentement, là, ouais, j'avais 49 ans.
Ça, c'était le deuxième. C'est lui, là, que vous avez marié, puis que vous savez... Non, non, j'ai pas marié celui-là. Oh, Dieu du ciel, merci, mon Dieu. OK. Un mariage suffit dans la vie, non? Est-ce que vous étiez fait un modèle de l'homme que vous auriez aimé avoir comme partenaire? Un modèle, là, mon Dieu. Il y a première fois que vous avez vécu avec quelqu'un. Ça existe aujourd'hui, un modèle? Hein? Ça existe-tu, ça, aujourd'hui, un modèle? Ben non, mais des fois, dans sa tête, on s'en fait un. Parce que j'ai comme l'impression, moi, que l'homme rendu à un certain âge, il a, comme on pourrait dire, le démon du midi. Bon, ça y est, un autre. Oui, on revient pour vous, parce que c'est quel âge, ça, le démon du midi? D'abord, c'est à midi et demi, c'est là-dessus. Pour l'homme, le démon du midi, c'est entre 45 et peut-être 70. Oh oui, parce que moi, dis, il est comme un an moins quart. À 70, il est comme un an moins quart. Oui, mais taisez-vous, là, vous, là, parce qu'il y en a un là, qui a 72 ans cette année, puis sa femme, elle l'a poignée avec une autre femme. Un instant, là. Madame. Oui. La première fois que vous êtes tombée en amour avec un homme, est-ce qu'il correspondait à l'image que vous étiez faite ou si ça a tombé vite, là, par le deuxième, oui. Deuxième correspondait. Oui. Ça n'a pas marché plus? Ça a tombé vite, ça a tombé vite, certain. Ça a tombé cette année, le 14 juillet. Fausse représentation. Exact. Il y a des femmes, et j'ai su ça, qui disent, mais avec moi, il va changer. Moi, je vais le changer. Oh non, 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 non. On ne change plus un homme après un certain âge. On ne change plus une femme après un certain âge. Vous, madame, est-ce que vous correspondiez à ce qu'il était, à ce que lui désirait comme femme? Ben, j'avais l'impression que oui. Il vous avait dit ça? Oui. Alors, c'est un violon. Exact. Encore danser sans mauvaise corde. Est-ce que... Il y a un gars que je connaissais, c'était effrayant l'expression qu'il disait. Il avait déjà dit, il dit, t'es bien chanceux de faire partie de l'orchestre, c'est effrayant. Sa femme avait dit, je tenais d'être deuxième violon. Il dit, t'es bien chanceux de faire partie de l'orchestre. C'était écœurant de dire ça. Dites-moi, madame, est-ce que demain, vous vous refuseriez une expérience avec un autre homme parce que votre confiance envers les hommes est brisée? Bien, laissez-moi vous dire une chose que, présentement, je tenterai ma chance, oui, à nouveau, mais j'attendrai un laps de temps, comme une affaire de 3 à 6 mois avant. Il faudrait qu'il fasse un genre de purgatoire. Il payerait pour les autres avant. Et non, c'est pas question de ça. Non, non, c'est pas question. C'est de savoir son caractère au tout début, tu sais. Parce que le gars avec qui je viens de casser, là, ouais. Ben lui, je l'avais déjà rencontré quand j'avais 16 et 17 ans. Ah ah! C'était peut-être l'amour de jeunesse qui reprenait dessus, là. Oui, oui, mais il buvait beaucoup dans ce temps-là. Je lui ai dit, moi, j'ai dit, quand tu boiras plus, peut-être qu'un jour, on va se rencontrer, tout va, donc on sera ensemble. Mm-hmm. Alors, c'est là que j'étais arrivé à 49 ans, je l'ai rencontré, ça faisait 10 ans de sobriété qu'il avait. Il ne buvait plus. Et puis, OK, il n'a pas recommencé, sa sobriété. Mais par contre, il n'est pas sobre sur les femmes. Ah. Merci beaucoup, madame. Merci, bonjour. Merci, au revoir. C'est difficile. C'est pas évident. Hein? On rapporte que 78 160 divorces en 86, soit 26%. Il y a à peu près, là, presque un couple sur deux qui vit cette expérience de séparation. Est-ce que c'est parce des égoïsmes qui se rencontrent pas puis ils vivent en parallèle ou c'est parce qu'à quelque part, on a l'impression qu'on n'a pas véritablement bien fait son analyse préalable qu'on s'est laissé embarquer? Ça se peut. On revient après la pause. À Noël, faites-vous plaisir, portez votre création en soie. Bangaline, $31.99 le mètre. Peau de pêche, $34.99. Soie lavée, $37.99. Pour Noël, offrez-vous un beau cadeau signé JM Textile. $6.53 par jour pour une Honda Civic. Oui, c'est ce que vous propose la Maison de l'Auto du boulevard des Hêtres à Shawinigan. Offrez-vous le pur plaisir de conduire. Vite, loin, pour presque rien, avec la Maison de l'Auto. Une voiture racée et des équipements de base incomparables. Vitres teintées, essuie-glace intermittent, déflecteur de toit, direction à crémaillère, dossier arrière rabattable. La Honda Civic est la Maison de l'Auto de Shawinigan. Vite, loin, premier, pour presque rien. Garth Brooks.
Oh non. Une surprise. Ça me surprend? Oui. Faut qu'il travaille pas pour ça. Non, il est obligé de faire des soupes populaires pour pouvoir manger, sinon il peut pas manger. Oh, tu lui fais pitié dans le fond. À Lac aux Saumons, comme partout ailleurs dans la vallée de la Matapédia, les hivers sont de plus en plus longs. Ceux qui travaillent ramassent leur timbre, comme on dit ici. C'est-à-dire qu'ils font un nombre minimum de semaines de travail pour pouvoir par la suite retirer l'assurance chômage. Ceux qui sont restés et qui travaillent quelques semaines par année n'ont pas envie de partir, loin de là. Si t'es là, est-ce que t'as, si t'es déjà imaginé à Montréal avec deux de tes deux enfants, c'est le chômage ou bien-être social? Oui. Oui. Je serais le calvaire. Ça veut dire quoi? J'aimerais pas ça. J'ai monté à Montréal deux jours, une fin de semaine, puis j'haïs ça. Ce pavillon, c'est le pavillon des adultes de la polyvalente d'Amqui, tout à côté de Lac aux Saumons. On y enseigne aux adultes à guichet fermé, pourrait-on dire. Les deux tiers des étudiants sont des gens sans emploi. Parmi eux, Lionel Gagné, qui a vécu une vingtaine d'années à Montréal et qui est revenu récemment dans sa région natale. Un BS, nouveau propriétaire de sa maison. Cette maison mobile, il vient de la payer 3 000 $ seulement. Jamais plus pour lui, Montréal. Les emplois, tu vas en avoir. Quelqu'un qui veut travailler ici, gagne pas cher, mais ça coûte pas cher. Mais tu viens à bout de ta recherche, la vie. Si tu veux avoir un métier, t'envoies aux études, ils t'encouragent, ils te poussent en ville, tu te démarres comme tu veux. Ce champ et ses vaches, ça se trouve à l'arrière d'une petite maison qui appartient encore une fois à une BS de Lac aux Saumons. Rien à voir avec son petit appartement lorsqu'elle était à Montréal. Une hypothèque à 200 $ par mois seulement. Une autre qui regrette les 5 ans qu'elle a passés à Montréal. En ville, je ne me verrais pas garder, élever des poules, ni des coques, ni rien. Tandis qu'ici, je peux les élever. Puis c'est ça, mon lait, je n'achète pas à l'épicerie. Je vais chez le voisin m'en chercher. Ici, dans le coin? Ben oui, les œufs, je les prends chez mon père. Tu sais, je veux dire, que tu es sur le BS, OK, mais quand tu n'as pas acheté le lait pour une famille, c'est quelque chose. Quand tu n'as pas acheté les œufs, c'est quand même quelque chose. Puis ta viande, ben, tu l'as quand même beaucoup moins cher qu'en ville. On n'a pas peur aussi que les enfants aillent jouer dehors, qu'ils se fassent enlever ou qu'ils se fassent blesser ou quoi que ce soit. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller jouer dans la rue, ils ont un masque grand en arrière. Fait que... Puis même dans le village, j'ai resté au village, au Lac aux Saumons, puis je veux dire, aller chez la petite voisine, la petite rue est tout petite, tu sais. Je veux dire, les voitures, il y en a beaucoup moins, la densité des voitures est beaucoup moins. Puis tout le monde se connaît, fait que si quelqu'un part avec l'enfant, mais les voisins vont être là pour s'en profiter ou quoi que ce soit. Si tu veux vraiment vivre, survivre en ville, tu peux. Mais vivre, ici, on peut vivre. En ville, on survit. Même pauvre. Même pauvre. Bien, la question est bien posée. C'est à travers une histoire, un cas, c'est peut-être pas la loi générale. Est-ce que c'est comme ça partout dans les régions? Vous êtes bien fine, madame. Ça, pour moi, là, c'est ce que je recherche chez un conjoint. C'est ce que j'ai chez mon conjoint. C'est pas tout à fait reposant tout le temps, par exemple. Hein? Non, mais c'est valorisant, puis c'est tellement important. C'est facile d'être honnête physiquement, d'avoir peur de voler, parce qu'on peut se faire pogner. Mais d'être honnête mentalement... Il n'y a pas grand monde qui peut se permettre ça. Ben, je pense c'est que... très important. Ouais, je pense que dans cette affaire-là, et ça blesse. Hein. Ça peut faire mal à des gens. En tout cas, t'entraînes dans ça. Quand vous cherchez ça, vous cherchez... Il y a du risque également. Dites-moi, madame, est-ce que vous, vous vous étiez fait un portrait de l'homme avec qui vous auriez aimé vivre? Non. Moi, quand je me suis mariée, ça fait longtemps, ça fait 24 ans presque que je suis mariée. Dans ce temps-là, on s'accotait pas. On se mariait. Ouais. Si on s'entendait, puis si on sortait ensemble un certain temps, on se mariait. Moi, j'avais des problèmes familiaux, en sens que je m'entendais pas très bien avec mes parents. Fait que c'est moi qui ai demandé mon mari en mariage. J'ai dit, sors-moi de là, ça fait. OK. Le mariage, pour vous, a été l'occasion d'évacuer le milieu familial où vous vous sentiez pas confortable. C'est ça. Mais j'ai été, par contre, j'en suis encore consciente, j'ai été chanceuse. Je dis souvent, moi, des couples qui durent très longtemps, il y a une part de chance. Il y a du travail, ici. C'est ça, on l'a fait, sa chance. Mais j'ai été chanceuse en le sens que j'ai un mari merveilleux, d'une patience exemplaire, d'une honnêteté morale. Vous me dites patient. Oui, très ça, patient. Chez vous, c'est la qualité primordiale. Bien oui, parce qu'il m'a pris, moi, que j'étais difficile à vivre, j'avais plusieurs problèmes. J'ai pris la peine de travailler mes problèmes. J'ai avancé beaucoup, 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 mais il a pris le temps de m'attendre. Il m'a regardé venir. Il a attendu que je souhaite, qu'il aurait voulu que je sois, que j'aurais dû être quand je me suis mariée. Mais en tout cas, je n'étais pas sûre.
Mm-hmm. Mais je suis devenue ce que lui voulait d'une femme. Puis il m'a entendu, il m'a... Et vous l'as-tu dit, qu'est-ce qu'il... Mais ça, en même temps, c'est dangereux, hein? Vous êtes d'accord avec moi. Il vous a peut-être sculpté à ce qu'il voulait. Non. Non? Pas du tout. Oh, non, parce que c'est pas un homme qui est verbal, c'est pas un homme qui est exigeant. OK. C'est un homme qui est simple. Qu'est-ce que vous êtes devenu, selon vous, qui lui plaît davantage? Moins snob. Vous étiez snob? Oh, j'étais... Moi, vous donner un exemple. Quand je l'ai connu... Oui. Je l'ai connu 6 mois avant de sortir avec. Oui. Je voulais pas le voir. C'était le style de gars noir. C'est bien plus simple, hein? Tu te poses pas la tête si des couleurs vont ensemble. C'est noir. Dans ce temps-là, c'était en 65 à peu près, imaginez-vous. Ah, ben c'était à mode, noir. Ben, pas tout à fait, mais en tout cas. Non? Une des choses, je restais dans une petite ville de banlieue. C'était très, très snob, la ville où je demeure. Et je suis encore là, d'ailleurs. Mais il y avait un grand restaurant où on se ramassait le vendredi soir, tous les jeunes. Mm-hmm. Mais on fumait, évidemment, dans ce temps-là. Jeune, tu fumais. Après, tu fumes plus, maintenant, tu fumes. Dans ce temps-là, tu fumais. Lui, il rentrait dans le restaurant, puis juste pour montrer que lui, le snobiste, ça le dégoûtait. Ouais. Il roulait ses cigarettes. Il rentrait dans le restaurant, il se plantait dans la porte, puis il roulait ses cigarettes. Puis c'était pas à moi dans ce temps-là. Ben non. Et moi qui étais snob, je voulais rentrer en dessous de la table. Je voulais pas le voir. 6 mois de temps qu'il m'a chalé pour sortir avec. Et un moment donné, j'ai dit oui, moi y aller. Une fois. Mais tu vas t'acheter des filtres. Puis j'ai resté accroché après ce gars-là. Parce qu'il était gentil. Et ça fait combien de temps? Ça fait 27 ans qu'on est ensemble, 23 ans qu'on est mariés. 27 ans que vous êtes ensemble, 3 ans que vous êtes mariés? 23 ans qu'on est mariés. Okay. On a sorti ensemble sans jamais se laisser pendant presque 80 ans. Merci beaucoup, madame. C'est intéressant et rafraîchissant. OK, bonjour. OK, bye bye. On prend un autre appel. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai l'homme idéal. Ah, ben, ma chanceuse. Le problème, c'est que moi, je suis pas idéal. Ah, ben, ça, c'est son problème à lui. Mais disons que c'est un homme que j'ai rencontré au bureau, puis on sait souvent que dans un bureau, il peut avoir des drôles de problèmes. Sauf que moi, quand je l'ai rencontré, j'avais 28 ans, puis j'avais un nombre d'aventures et d'amoureux avant, puis dans ma tête, je me suis dit, c'était tout le temps la vie libre, pas d'attachement, pas d'enfant, pas de mariage, rien. Mm-hmm. J'ai rencontré ce gars-là, puis ça a fait quick dans le cœur. J'ai dit, non, là, lui, je laisse pas partir. Puis, finalement... Vous savez que moi, quand mon char fait quick, il commence à avoir du trouble. Oui, mais moi, il a commencé à en avoir du trouble, lui. Ah, bon. Mais finalement, c'est ça. On est sortis 3 mois ensemble. On est resté au bout de 3 mois ensemble. Après ça, je suis tombée enceinte et on s'est mariés à l'intérieur d'à peu près... du mois de mai à janvier, on était mariés avec un petit. Puis ça fait 4 ans que ça dure, puis c'est encore l'homme idéal. J'ai pas trouvé de défaut. Il y a peut-être des habitudes qu'on peut dire c'est plus agaçant. Le pot de confiture à gauche, le pot de... T'sais. Mais... Vous avez raison, c'est des mauvaises habitudes, c'est pas des défauts. C'est des habitudes, puis... mais au niveau des défauts, j'en trouve pas. Puis je suis vraiment, là, une femme choyée, amoureuse et gâtée. C'est le portrait que vous auriez voulu du gars au moment où vous aviez plusieurs aventures préalables. C'était ça que vous cherchiez, vous l'avez trouvé. Disons que physiquement, non. Mais c'est des qualités humaines. J'espère qu'il n'écoute pas. J'espère que non. Il va se reconnaître. Mais vous lui avez dit, je suis sûr. Là, oui, oui, mais c'est ça. Je dis, écoute bien, là, t'as de l'aide à pichou, mais je t'aime. Ça fait presque. OK. Mais non, disons que la qualité qu'il y a, c'est une qualité de cœur qui fait que, d'abord, toutes les femmes adoraient ce garçon-là parce qu'il y avait un charme inouï, sens de l'humour, honnêteté, foncièrement bon. Tu sais, quand vous dites là, des gens qui sont foncièrement méchants ou foncièrement bons, lui, c'est la bonté, là. Il pourrait donner sa chemise. Bon, arrêtez de nous le vanter, là, parce que ben, ça va faire, là. Il y a du monde... Là, parlez-moi de moi. Pourquoi vous n'êtes pas drôle, vous? Pardon? Pourquoi vous n'êtes pas drôle, par exemple? Moi, je suis l'élément, je dirais, plus faible du couple, dans le sens que je suis une personne qui est dure à garder ma stabilité. Je suis dure à vivre, parce que je suis une personne un peu lunatique, artistique, très exigeante aussi de moi-même. Donc, évidemment, là, aussi, je sais que je suis étudiante. Bon, au niveau de la maîtrise, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail, le soir, la nuit. Des fois, on est fatigué, puis avec un petit en même temps, puis... Donc, lui, c'est l'élément solide du couple, puis c'est un peu le point d'attache. Moi, je suis un peu le cerf-volant. Mais il est tout le temps, il m'attache tout le temps quand même, entre de ma part, là, je me laisse attacher. Moi, je suis sûr qu'avec la lucidité que vous démontrez, tant l'un que l'autre, qu'il y a là des belles garanties pour un bon devenir, hein?
Ben j'espère. Ah, puis, ouais. Moi, quand je me suis mariée, je me suis dit, la chose qu'on fait, et lui et moi, c'est qu'on coule nos navires. Dans le sens que c'est comme l'image qu'on avait des gens de l'armée quand un général a fait couler les navires pour être sûr qu'il n'y avait pas d'éléments de fuite. C'était seulement que la réussite ou la mort. C'était une image un peu qu'on s'était fait. C'est intéressant comme image. Puis, en tout cas, parce qu'il y a des gens qui prennent la même image, puis disent, nous autres, on vogue sur l'eau, première chose que tu sais, il échoue. Oui, mais on essaye, en tout cas, là, lui, il y a eu un précédent mariage, puis ça n'a pas marché. Mais, puis moi, bon, c'était des aventures. J'ai jamais eu de peine d'amour. Moi, j'en causais, mais j'en avais pas. Mais... Garde-la. No, 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 no. Hey, c'est imposante. Merci. Bye-bye. Bon, bonne fin de semaine. De vous parler. Salut. Bonne journée. S'arrête pour une pause. Que j'ai maintenant. Est-ce que ça s'est amélioré? Ah, bien, c'est sûr. Ça s'améliore, je pense, en vieillissant. En mettant un petit peu d'eau dans notre vin à chaque fois. Là. À 18 ans, c'était quoi le type de gars que vous cherchiez? Est-ce que c'est celui qui est devenu aujourd'hui? Pas en tout. Pas du tout. C'était quoi? Ah, c'était le type un peu rocker. Uh-huh. Et puis, j'ai un homme super conventionnel aujourd'hui. Puis je le changerai pas pour rien, là. Mm-hmm. Et puis, c'est que souvent, on se rencontre, tout est beau, qu'on se voit la fin de semaine, mais c'est quand qu'on vit ensemble qu'on voit les qualités puis les défauts sortir, là. Tu sais, moi, j'ai retrouvé sa qualité d'être super patient, c'est quand on a commencé à être ensemble. Ben, ça, c'est à cause de vous, ça. Ah, peut-être. C'est vous qui avez fait développer la patience. Non, moi, j'en ai pas, c'est lui qui l'a. C'est lui. Dites-moi, madame, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, là? Ça fait 10 ans. 10 ans. Est-ce qu'il est plus devenu l'homme que vous vouliez qu'au moment où vous l'avez rencontré? Oui. Pour moi, c'est le mari idéal. C'est le fun d'entendre ça. Non, mais c'est vrai. Tout ce qu'on entend parler, c'est des maudites statistiques qui disent « gna 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 ». Vous l'avez, là. Ah oui, nous, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et puis, c'est comme si c'était au premier jour. On va se tenir la main dans la rue comme n'importe quel jeune couple. Dites-moi, madame, la première fois que vous l'avez vu, là, qu'est-ce qui vous a attiré? Ça n'a pas été le coup de foudre. C'était un ami au début. C'est au fur et à mesure de le connaître que j'ai trouvé, bon, je pense, cette douceur que plusieurs gars n'avaient pas dans ce temps-là. La politesse, tu sais, d'ouvrir la porte de voiture, ces choses-là, je me disais, ça se peut pas dans les années 80, là. Puis le respect... Il y a des portes, en tout cas. Surtout, tu veux dire, c'est le respect de l'autre personne. Respecter mes idées, accepter mes qualités et mes défauts. M'aider à vivre avec, parce que des fois, tu t'acceptes pas avec un défaut. Donc,
été le coup de foudre, vous avez appris à l'aimer. Oui, c'est devenu de plus en plus fort à chaque jour, puis c'est encore de plus en plus fort à chaque jour. C'est dangereux, par exemple, quand tu dis, moi, je marie quelqu'un, je ne l'aime pas, mais il m'apprend à l'aimer. Ah non, quand on s'est mariés, je l'aimais, ça a pris 2 ans avant qu'on se marie. Ah, OK. On s'est fréquenté 2 ans, là. 2 ans? Oui. C'est assez? Bien, c'était rapide. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu penses pas au futur. Je pensais pas à ça dans ce temps-là comme je pense aujourd'hui, là. Ah, voilà. Et vous, quelle est votre grande qualité? Pourquoi il tombe en amour avec vous? Il l'a déjà dit. Ah oui, lui, ce serait trop long à dire tout ce qu'il dit. Je crois peut-être pas tout, là. Ah, vous vous laissez chanter à la pomme comme ça? Ah, ben oui. Mais quoi, une, juste une. Ah, il me trouve gentil. Garde, c'est pudique. généreux. Ben pour lui, là, c'est la plus belle, c'est la plus fine, tout. Bon, vous avez raison de ne pas le croire au complet, là. Bon, vous êtes pas fine, mais c'est parce qu'il en met pas mal. Mais oui, hein? C'est ça, quand t'es en amour, t'en mets. Ça dépend. Ben oui. Eh bien, mais c'est vrai pareil dans certains cas, madame. Oui. Croyez-les. Oui, je le crois. Il a le droit de se tromper, mais croyez-les. Bye-bye. Bye-bye. Moi, je suis convaincu de ça aussi. Hein, Linda? C'est ça que je te dis, moi. J'en mets trop? Bon. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, regardez, j'appelle pour la question du jour. Oui. Eh bien, moi, la qualité primordiale chez un homme, c'est la confiance en soi. La confiance en soi. Oui. Faut que la personne ait confiance en soi. Je pense que c'est la base primordiale parce qu'il faut être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Est-ce que, madame, vous recherchez ça parce que vous-même, vous avez de la difficulté à avoir confiance en vous et que ce serait un genre de palliatif? Non, pas du tout. C'est le contraire. J'ai une personne qui a très confiance en elle, des fois même trop. Puis, c'est ça. Faut être bien avec soi-même parce que quand on tombe en amour, quand on est plus jeune, c'est souvent de l'amour de cœur. On ne se connaît pas soi-même. Mm-hmm. Alors, un petit peu plus tard, même comme je me fais souvent rire avec ça, je dis à mes amis, bien, maintenant, à l'âge que j'ai là, je sais un petit peu plus qui je suis. Et bien, je sais un petit peu plus c'est quoi que je veux. Qui je recherche. Je ne sais pas vraiment si ce serait vraiment la solution idéale, parce qu'on ne sait pas toujours vraiment ce qu'il y a. Avez-vous déjà vécu avec quelqu'un? Oui, ça fait 12 ans que je suis mariée. Ça fait 12 ans que vous êtes mariée, là? Oui. Dans quelle mesure, madame, l'homme avec qui vous êtes, est celui véritablement que vous pensiez? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il s'est modifié? Est-ce qu'il est devenu celui que vous vouliez ou s'il l'était déjà? Ça dépend. C'est comme moi, mon mari, c'est plutôt genre macho. C'est un gars super, il a des qualités de cœur superbes, mais c'est plutôt genre macho un peu. Puis je pense que au début, c'est ce que l'on n'aime pas chez l'autre, c'est ce qui nous attire. Parce qu'on a des choses à découvrir à travers ça pour se connaître soi-même. Parce que la base du couple, je veux dire, pour qu'un couple soit durable, la base du couple, c'est l'intimité puis la complicité entre les deux partenaires. Oui. Puis, l'intimité comme telle, on peut l'avoir, mon couple. La complicité, peut-être un peu aussi, mais ça dépend. Peut-être que c'est moi qui me recherche un petit peu plus à travers tout ça. Okay. Parce que lui, je le regarde aller comme tel, puis je me dis, mon Dieu, même ce matin, je suis allée prendre une marche dans la forêt, puis je réfléchissais à tout ça. Je me disais à moi-même, comment ça se fait que lui, il en demande pas plus? C'est simplement moi qui veux. Puis il regarde pas ailleurs et qu'il y a des principes fondamentaux en dedans de lui qui sont vraiment la base du mariage. Madame, de se poser cette question-là, est-ce que c'est pas se poser une question de confiance en soi? La confiance en soi, c'est quoi? Parce que vous disiez, moi, j'ai confiance en moi. Mm-hmm. Et là, vous dites, comment ça se fait qu'il regarde pas ailleurs? Juste le fait de se poser cette question-là, est-ce que vous pensez qu'il peut, qu'il aurait intérêt ou qu'il devrait le faire? Ou vous dites, pourquoi qu'il m'aime moi? C'est parce que c'est justement moi qui lui apporte pas vraiment ce que lui désire, parce que dans ma recherche intérieure, je lui apporte pas vraiment ce qu'il recherche, parce que des fois, je l'ai peut-être blessé un peu sans aller, je veux dire, à le tromper comme tel, mais je me cherche. Puis je me demande moi-même comment il fait, lui, pour... je le regarde aller, comment il lui fait pour pas en demander plus? Bien, peut-être qu'il vous aime. Bien manque. C'est vrai qu'il faut dire aussi que je suis une femme qui paraît assez bien. Je suis une passionnée dans la vie. Peut-être que c'est difficile à vivre une personne qui est passionnée. Ça se peut, ça. Oui. Mais peut-être qu'il vous aime, c'est tout. Si vous dites, moi, je pense que je lui en donne pas assez et que je le trouve pas très exigeant envers moi, c'est parce qu'il vous aime. Et il va vous laisser aller. Il va vous laisser cheminer là-dedans. Vous allez cheminer ensemble. Merci beaucoup, madame. Puis je voulais terminer en disant que s'aimer, c'est pas se regarder l'un et l'autre, mais c'est regarder tous les deux dans la même direction.
Oui, mais regardez en arrière, il y en a qui viennent vite. Oui. Attention. Bon. OK, bye-bye. Au revoir. Choix de table d'hôtes. Entre autres, steak, brochettes et fruits de mer. Bouzouki, le restaurant préféré de toute la famille. 1606e rue Trois-Rivières. Une nouvelle boutique de fine lingerie vient d'ouvrir ses portes au 520 117e rue à Shawinigan Sud, à fleur de peau. On y trouve les plus fins tissus et les dentelles les plus attirantes. Madame Lise Gélina, propriétaire, vous invite à venir la rencontrer à sa toute nouvelle boutique de lingerie féminine à fleur de peau. Agenda économique, c'est la vie des gens d'affaires. HMTV8. Durant le Super Blitz, 25 000 $ de prix à gagner. Super mobilier de chambre Laurier, 1149 $. La garantie du meilleur prix durant le Super Blitz chez le meubleur J.A. Boucher de Nicolet et Ameublement Trétuvien, l'équipe des gens de la place. 20 et 45 secondes, j'ai juste le temps de vous dire bonjour. Je veux vous rappeler ce dont je vous ai parlé en début de semaine de vidéo actualité. Si vous êtes témoin d'événements, de choses qui se passent chez vous et que vous êtes un vidéo amateur, eh bien, prenez les images. Fiez-vous là, à ces images qui nous avaient été soumises par une mère qui avait vu l'autobus scolaire doubler un autobus scolaire au moment où ses enfants voulaient aller à l'école. OK? On a sorti ici de nos budgets un toaster. Ça a de l'air d'un grille de pain. C'est une machine qui date de l'avant-guerre. Mais ça fonctionne. Et on mettra là vos cassettes, puis tout ça, puis vous serez appelés à commenter ça. Mais ça, c'est notre grille de pain. Je l'ai baptisé le toaster. Mais c'est un appareil vidéo, croyez-le ou non. Mais c'est... on l'a. Mais ça marche. On marche pas avec l'argent du peuple, nous autres, comme à Radio-Canada. Ça fait qu'on sort ce qu'on avait dans le stock-room. Vidéo actualité, émission Mon grain de sel, casse postale 170, circule salle C, Montréal, Québec, H2L4P6. On revient au sujet qui nous intéresse, bien sûr. Est-ce qu'on peut être heureux quand même si ça fait longtemps qu'on côtoie les machines? Oui, et des gens aussi. Oui, bonjour. Bonjour, M. Mongrain. Bonjour. Un homme! Ben oui, il y en a. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Quelle qualité recherchez-vous chez une conjointe? Ah, ben là, je vais vous en compter une bonne, M. Mongrain. Ben voyez donc. Il m'arrive quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en train de tomber en amour, vous? Ah, ben oui, je suis en train de retomber en amour. Oh! Êtes-vous guéri de la première fois? C'est que j'ai rencontré la fille avec qui j'ai fait ça la première fois, 25 ans plus tard. Oh! On a navigué chacun de notre côté. Oui. Et puis on s'est retrouvés 25 ans après. Et chacun avait pris son chemin, je présume, là. Exactement. Et puis chacun a maturé de son côté, a vécu ses expériences. Puis ce que je suis en train de vérifier, ce qu'elle est en train de vérifier aussi, c'est que si on a les mêmes qualités qu'on avait au début, ce qu'on a fait avec, ce qu'on a amplifié, puis ce qu'on a diminué. Savez-vous ce que je vais vous dire immédiatement? Que je suis convaincu que vous allez retrouver les qualités que vous aviez et que vous aviez probablement enterrées et perdues. Elle sera l'opportunité de vous retrouver les qualités initiales que vous aviez. Vous avez des commentaires très justes, M. Mongrain. Je pense que oui. Vous avez des commentaires très justes, puis elle se retrouve, elle aussi, à travers cette relation-là. Ah, moi, je crois ça beaucoup, beaucoup. Puis ça a été comme, pas un coup de foot, mais un coup de canon, je ne sais pas. Mais quand on s'est rencontrés, ça a été mon cadeau de fête pour cette année. Puis, ça a été quelque chose de merveilleux. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que les qualités fondamentales que je demande à une personne, ce sont l'honnêteté, oui. La franchise, mm-hmm. La fidélité, puis la confiance en soi. Okay. Parce que je pense, à mon avis, que ce sont les qualités de base pour former un couple. Quel âge avez-vous? J'ai 41 ans. Et on est le même âge. Mais de retrouver votre premier amour de teenager, là... C'est pas nier tout ce que vous avez vécu, c'est un danger, ça aussi. Il faut analyser ça des deux bords, là. Tu sais, tu dis, ah, ben, je suis mieux de recommencer à la case départ, étant donné que j'ai eu des déceptions pendant X temps. Non, c'est que je retourne pas, justement, à la case départ. Vous rencontrez une femme que vous aviez rencontrée, vous vérifiez si elle est toujours celle que vous avez déjà connue. Je vérifie si ses qualités fondamentales sont toujours là, après ma mort. Mm-hmm. Puis ensuite... Je m'amuse à aller voir ce qu'elle a fait avec sa vie, dans le sens, qu'est-ce qu'elle est allée chercher comme qualité additionnelle, mm-hmm. qu'est-ce qu'elle a amplifié, qu'est-ce qu'elle a accroché comme défaut en cours de route, qu'est-ce qu'elle a fait avec ça, puis où tout ça peut nous mener, comment on peut composer avec tout ça. Intéressant, ça. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que, avec la maturation, puis avec les expériences qu'on a fait chacun de notre côté, il y a des choses qu'on s'est dit, moi, je ne veux plus jamais revivre ça.
il y a des choses qu'on s'est dit, moi, je veux revivre ça à tout prix parce que c'est des choses intéressantes. Puis on a communiqué, puis dans une relation, ce que je recherche aussi beaucoup, c'est la communication. Oui. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas? Ne sois pas gêné de me le dire, on va s'entendre là-dessus. Dis-moi ce que t'aimes, dis-moi ce que t'aimes pas, je vais te dire ce que t'aimes, je vais te dire ce que j'aime, je vais te dire ce que j'aime pas, puis on va brosser ça dans un sac en papier, puis c'est à ce moment-là que commencent des choses comme qu'on appelle des compromis. Tout à fait. C'est bien, monsieur, je trouve ça intéressant, je suis très content de vous avoir parlé. Moi de même, monsieur Mongrain. Bonne fin de semaine. Vous aussi. Bye-bye. Bye-bye. Oui, bonjour. Bonjour, M. Mongrain. Bonjour. Je dois féliciter pour votre émission. Vous êtes gentil, je vous retourne le compliment. C'est super, je trouve ça formidable. Bon, pour la question du jour, moi, j'ai un mari extraordinaire. Un autre. Je savais qu'on n'était pas tous disparus. Ben non. Vous voyez, ça fait 5 ans que je suis avec mon mari. Je suis mariée depuis 3 ans. Puis sa plus grande qualité, lui, c'est qu'il donne beaucoup de lui. Il donne de son temps. C'est un homme... S'implique. Qui s'implique beaucoup. Je veux dire, au niveau travail, au niveau famille. Puis vous, votre grande qualité, c'est quoi? Moi, ma grande qualité? Voyons. Tolérante. La tolérance? Oui, je suis tolérante. Pas tolérante, 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 tolérante à tout prendre? Non. OK. Tolérante, juste pour dire. Avec explication. Avec explication, c'est justement. Elle est tolérante avec explication. Oui. OK, je comprends. Bien, bonne chance. Pardon? Bonne chance. Je vous remercie. Bon, je suis sûr que ça va bien aller. Bye-bye. Au revoir. Bye-bye. Il faut déjà qu'on aille à une pause publicitaire. Ameublement Trépuvien vient de se porter acquéreur de meubles P.E. Ducharme, boulevard Sainte-Madeleine à Cap-de-la-Madeleine. Une super liquidation finale. 400 000 $ à liquider, rien à payer avant un an. Des rabais jusqu'à 50 %. Vous cherchez un mobilier de salon, un mobilier de cuisine, un mobilier de chambre? C'est le temps. Venez nous voir. C'est arrêter un peu de sonner. Il faut recommencer parce qu'on est en dessous de notre objectif encore. Qui va réciter un poème de Jacques Brel. Ce poème s'appelle Un enfant. Elle le récite à sa fille, Émilie. Vous allez comprendre. On ira les rejoindre tout à l'heure. OK? Jacqueline puis Émilie. En chantant. Un enfant a
avec un peu de chance, ça entend le silence et ça pleure des diamants. Deux petites minutes avec nous. Vous disiez dans ce poème, un monde qui s'entête à vouloir devenir grand. Oui, c'est dommage d'ailleurs. Oui. Est-ce que le monde est assez grand pour accepter une enfant comme ça? Quand on est sa mère et qu'on se retrouve avec une enfant comme ça? Je vais vous dire une chose, c'est que moi j'ai eu une chance extraordinaire avec Émilie. C'est qu'Émilie, tous les gens qui l'ont approchée de près sont tombés très amoureux d'Émilie. Femme, homme, tout le monde aime Émilie. Alors j'ai eu la chance d'être bien entourée. J'ai un mari merveilleux, Carlos, qui m'aide énormément. Des amis qui sont de la famille pour moi. Et en parlant de mes amis, je voudrais vous offrir ceci. J'ai des amis qui travaillent dans une société de télémarketing et qui vous donnent ceci, $175. Eh bien, mon Dieu, en plus du poème, oui. C'est extraordinaire. Jacqueline, merci au nom d'Émilie, un gros merci. Vous vivez quelque chose d'assez spécial. Il faut, mon Dieu, le vivre d'une façon tout à fait extraordinaire. Vous avez peut-être un message d'espoir à nous laisser, à nous donner. Moi, le seul message d'espoir que je pourrais vous laisser à tous, c'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Quels que nous soyons, je ne sais pas, nous sommes tous quelque part handicapés. C'est pas parce qu'on marche, c'est pas parce qu'on peut dire un poème devant la télévision qu'on n'est pas handicapé. J'ai des handicaps, ma fille a des handicaps, on en a tous. Hein? Et je pense qu'il faut s'aimer, apprendre à s'aimer et à se respecter tel qu'on est, tout simplement. Merci Jacqueline de ce beau message d'espoir. Et merci Lily également. Merci Carlos. Merci Nancy. Merci. Après ça, le monde ne peut plus être pareil, hein Yves? Non. Maintenant, on va accueillir deux sœurs. Deux sœurs, oui. Deux femmes qui, à elles deux, ont... ...que tout le Québec. Donc, le soleil est bien sûr revenu en Ontario et au Québec après le passage d'un front froid qui, du Grand Nord du Québec, traverse les Maritimes et recourbe aujourd'hui vers le lac Érié. À l'avant, il y a encore des averses, des orages. À l'arrière, c'est du beau temps frais grâce à une haute pression près des Grands Lacs. Elle est orientée est-ouest, donc elle va ou elle s'étend à peu près du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'au... Il pourrait y avoir quelques gouttes de pluie aujourd'hui sur l'Abitibi.
Abitibi, Témiscamingue, mais c'est à peu près tout. Alors, les prévisions dans le sud-ouest québécois, c'est ensoleillé avec passage nuageux, mais en vaste crête. On prévoit demain du beau temps sur la majeure partie du pays. Presque partout, il y aura du soleil. Et puis, sur l'Ontario, le Québec, ça commence tranquillement à se réchauffer à partir de demain, un réchauffement qui s'amorce. Ben, sont de bonnes nouvelles, Martine. Bye-bye, merci, à demain. À demain. Au revoir. Alors voilà, c'était l'édition magazine du 21 juillet. Ne manquez pas le Ce soir et le Plus ce soir dans toutes les régions. Bonne journée, mesdames, messieurs. On se revoit ce soir au Plus. À ce soir. Portal et Priscilla Lapointe. Louise et Priscilla, merci de cette chanson. Je veux remercier un groupe de personnes qui, à la dernière minute, se sont réunies pour... Peut-être la suite de cette observation sur Trois-Rivières, bien qu'il n'y ait pas de lien. Bonjour tout le monde et bienvenue. Bonjour. Bonjour Mathias. Est-ce que je vais la glace dans la poubelle? Ben, il me semble que oui. On est allé chercher une serviette là, pour te faire un enveloppement. Ah, ben super. Ah, bon, ben, moi, j'avais même dit, fais attention, tu vas te faire mal. Puis, grand-maman avait raison, il s'est fait mal. Hey, merci, essaye de servir. Coupez. Je suis pas bien, je suis très mal à l'aise. Je suis bien gêné de me faire mal. C'est ironique l'expression « break a leg ». Ouais, j'étais pas obligé de l'écouter à l'air. Elles sont pas entrées? Je savais que
Oui. On fait les coulisses. On peut s'entrer? Oui, OK. OK. On va se pogner puis là, ben, tu sais, mais vous êtes tout on habillés. Ménage. On ménage. Ouais. Bon. Alors, t'as travaillé fort pour te préparer pour le gala. Oui, que ce soit. Faut surtout avoir dans la tête l'enchaînement et d'aller tout droit au but. Ça a juste arrangé qu'il n'y ait pas de Okay. Je trouve qu'il y a vraiment un bon feeling ici. C'est sûr qu'il y a comme partout des requins, des gens qui sont là juste pour soutirer leur... Mais je veux dire, dans l'ensemble, il y a de belles gens ici. Je veux dire, et j'aurais pas pu, par exemple, décider de rester dans un pays où l'industrie du spectacle aurait été, je sais pas, véreuse ou mal faite. Ou... Parce que mon métier, c'est plus que la moitié de ma vie. C'est ma vie. Donc, ça me prend une industrie. Moi, quand j'ai eu des trophées, j'étais contente que les autres artistes soient là pour fêter ça. Et c'est vraiment comme ça que je me sens. Je me sens venir faire la fête avec les autres artistes que j'aime beaucoup, avec qui je fais ce métier-là. Je ne suis pas d'accord avec tous les choix de la disque, mais à chaque année, il y a des choses auxquelles on n'est pas d'accord. Et c'est comme ça. Alors, mais je le vois vraiment comme une fête. Je m'en viens fêter avec les autres artistes, puis je suis très, très contente d'être là. J'étais très, très, très contente d'être là ce soir. Tu connaissais la disque, bien sûr. Qu'est-ce que ça représente dans ta vie? Ben, j'espère être là l'an prochain, puis les autres années, puis pour d'autres, pour recevoir des prix aussi. Puis je vais travailler fort, fort pour ça. Mais pour moi, ce soir, c'est très, très important. C'est très important d'être là. Personnellement, si je n'étais pas dans la salle, probablement que je regarderais ce qui se passait. Je pense que c'est important d'être à l'écoute de ce qui se passe, des nouveautés et ce que les gens... Ce que les gens achètent, ce que les gens consomment, je pense que c'est important de se tenir toujours dans l'actualité. Alors oui, ben moi j'ai toujours été une fervente des grands galas, j'aime ça, je regarde le gala des Oscars et tout ça, alors pour moi, je vais sûrement continuer, même si je fais rien pendant une année, de regarder ça. T'es là depuis le tout début, la ouais, disque? Je me souviens de la première à disque. Ouais. Chantais-tu à la première? Non, je chantais pas, c'était à l'époque Fiori Séguin, on était dans les premiers... les nominés, les comme les premiers nominés. Donc, tu l'as jamais boycotté, la disque? Non. Est-ce que tu crois que ça joue un rôle toute l'année, cette association? Bien, l'association, moi, c'est juste que je suis tanné un peu des chicanes de coulisses. Puis, je veux dire, il y a des vraies préoccupations qui devraient prendre la place. Je veux dire, puis la disque, on est là pour, justement pour... peut-être, en tout cas, ce que je souhaiterais d'eux autres, c'est qu'ils sont là pour nous défendre, puis je veux voir aux intérêts des artistes, auteurs-compositeurs, tu sais. Moi, voir des chicanes de producteurs, je trouve ça très, très, très secondaire. Il y a des affaires beaucoup plus importantes qui s'en viennent pour nous autres. C'est là que tu es récompensé. Tu t'en viens dire, bien, merci tout le monde. Merci de m'encourager dans le joyeux métier dans lequel j'ai décidé de mettre les deux pieds. Puis mais d'être assis dans la salle, même si c'est pas ton année... Ah, ça, c'est pas grave, ça. Non, parce que c'est l'industrie, comme on s'est dit. Bon, on s'en vient tous se faire... c'est pas grave si tu récoltes pas. L'important, c'est d'être là, c'est de s'appuyer, c'est d'être solidaire, tout le monde ensemble, dire « Soyons là, donnons-nous les coudes, puis soyons-y. » Les artistes vous communiquent leur l'impression, des fois, oui. Bye.
Il y a de fortes chances que, justement, le gagnant du trophée Félix que je vais remettre ce soir ne soit pas là, au moment où on se parle. Qui est le plus... Je comprends pourquoi on m'a fait courir aussi vite des corridors. C'est où qu'on va? Par là. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Bravo, bye, à bientôt. Peut-être pas là. Vas-y, Juju, c'est à ton tour. Mon métier, c'est de faire vendre des disques et de faire accepter un artiste par une population d'abord et avant tout. En choisissant les vendeurs du métier, malheureusement, tout à fait opposés, avec deux manières de travailler totalement opposées. Je suis tellement énervée, je suis même pas à me rappeler c'est quoi que j'ai gagné. Interprète de l'année. Révélation de l'année. Découverte de l'année. Puis, premier. Est-ce qu'on est en direct ou non, quoi? Richard Desjardins, auteur-compositeur de l'année. Et François Cousineau, vice-président de la SOCA. Félix. Ah, il est là, c'est en haut. Félix. Si on fait ça, c'est parce qu'on aime ça, ce métier-là, puis il faut l'aider. Parce que dans un tout petit pays comme on est, si on ne s'aide pas à vendre nos disques nous-mêmes, ben, je veux dire, si on se commence à se tirer à couverte, faire des chicanes de famille. Remarque que ça fait longtemps que je pense que le Québec, c'est un gros village, mais on m'a dit qu'à Paris, c'était juste un plus gros village, puis Los Angeles, un plus gros village. Comment on se sent de 20 ans de reconnaissance lorsqu'on on propose un produit qui est quand même marginal? Bien. Bien, juste bien. On s'en parlera. Ouais, on s'en va, ouais, peut-être pas. Attends, on est ici pour le retard. Ça représente une très grande victoire parce que quand je vous disais qu'on ne travaille pas en fonction du gala de la disque, s'il y a un article. Oh, c'est 40. Moi, c'est belle. Oh, j'adore ça. Vous savez que depuis quelques années, l'Union travaille de façon très étroite avec la disque pour réaliser d'abord une première entente collective, ce qui est fait ces jours-ci. Et on se rend compte qu'on a tout intérêt à être partenaire, finalement, de cette industrie-là. Alors, il était normal que l'Union des artistes s'associe à la disque pour reconnaître le talent et la créativité des artistes-interprètes et de la chanson d'ici. Merci, s'il les Félix, est-ce qu'ils ont joué un rôle dans le succès de Céline? Absolument. Absolument. Les Félix, au début de sa carrière, c'est sûr que les Félix ont joué un rôle. Les Félix, ça fait toujours grandir un artiste. Montons-le, Julie. Contente? Beaucoup d'émotions. Vas-tu être capable de chanter? Ben là, c'est ça. C'est ce qui reste à voir. En tout cas, moi, je voudrais dire que ce prix-là, c'est vraiment celui que je suis le plus heureux de recevoir, parce que c'est vraiment le vote du monde. Vraiment, j'ai fait un effort pour voter pour moi, là. Ça me touche vraiment. Mais encore merci à tous les fans des stations de radio aussi qui nous ont poussés quand c'était pas évident au début. Merci beaucoup, tout le monde. Es-tu contente? Yes, sir! Celui-là, je le voulais. Yeah! La nouvelle Miller Genuine Draft filtrée à froid, brassée par Molson Oki, le goût qui vient du froid. Gillette vous offre une confrontation avec la chance. Pour vous faire rire, vous divertir, vous éblouir, Radio-Canada occupe l'avant-scène depuis 40 ans. Et comme le disait si bien Confucius, regardez, c'est votre histoire. Plus grand plaisir.
plaisir. Le spectacle continue à la télévision de Radio-Canada. Merci. Bye. Merci. Bye. Oh. Bon, mais c'est ça. Ah, ben, on s'en va être ah, avec le saccage des doigts, là, c'est foutu, tu sais. Tu fais ça 1000 fois, tu sais. Mal aux doigts. 3h24, Jocelyn! 3h24, tu connais. C'est un bon show, tu sais. Je pense qu'on a été bien. On fait tous du showbiz. Vous comme moi, puis moi comme vous. On fait tous du show business, dans la vie comme dans les rues. On fait tous la place des armes. L'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo se trame le 14e gala de la disque qui aura lieu au Théâtre Saint-Denis le 18 octobre prochain. Vous êtes tous des grands acteurs. Parmi ces 14 artistes, qui sera élu interprète de l'année 1992? À vous de jouer, le vote populaire se poursuit jusqu'au 28 septembre. On est toutes des femmes de terre, mais quand on tombe amoureuse, on est toutes des filles de club, on est toutes des sexy dames, on fait toute la vedette, on fait tous du show business. On fait tous du show business. Fais-en assez, fais-en pas trop. La vie c'est du show business. On fait tous du show business. Du show business. Vous comme moi, puis moi comme vous. Du show business. On fait tous du show business. Dans la vie comme dans la rue. On fait tous du show business. Pour tenter, de façon assez légère peut-être, mais de comprendre, de saisir que ça se bâtit, qu'on ne peut pas se faire des stéréotypes, que c'est une affaire, la vie de couple, je pense, qui doit ne pas laisser place aux rêves, mais entretenir la passion. Je pense que ça existe, ça peut se faire. Et ce qui est tout surtout intéressant, c'est que ça a été une fenêtre aussi, pendant 1h15, pour montrer que, et c'est tout à fait positif de voir qu'il y a des gens qui sont bien et qui aiment ça être heureux, pour une fois, hein? Bye bye. Bonne fin de semaine! Politiciens et artistes passent par le tordeur de l'humour. Voyez Rire à bien, à 19h30. Chance, voilà! L'accès des trains, les tarifs du pont Victoria étant jugés trop élevés. En 1924, naît le projet d'un deuxième pont, d'abord nommé pont du Havre, puis en 1934, Jacques Cartier, du nom du navigateur venu en Canada 4 siècles avant. Certains l'appelèrent le pont Croche, car on n'avait pas pu le construire en ligne droite, le propriétaire du terrain désiré du côté de Montréal refusant de le vendre. Sans le pont Jacques Cartier, ne manquerait-il pas quelque chose sur l'horizon de Montréal? Cette capsule vous a été présentée par Biliotron. Des choix pour chacun. Non. Si tu veux travailler au ranch, il faut que tu sois beaucoup plus courageux. Tu entends? Je ne te laisserai pas faire, c'est tout. Allez, va. Prends mon cheval. Allez, va-t'en. C'est une affaire personnelle entre deux vieux amis.
Allez, vas-y. Adieu, Anka. Au revoir. Anka. Laissez souffrir plus longtemps. Ça me rend trop malheureux. CKTM Télévision, en amour avec la région. Bonsoir, Québec, Ottawa et le Mouvement des Jardins sont venus au secours de Raymond Malenfant qui était incapable de rembourser aujourd'hui 3 millions qu'il doit à ses créanciers. On lui accorde... Jamais osé montrer
qui que ce soit. Élégance et raffinement. Beauvais vous offre une fantaisie d'accessoires de salle de bain et de robinetterie luxueux et fonctionnels. Beauvais vous permet de savourer à chaque instant vos précieux moments de détente. Beauvais, 528 des Érables, Cap de la Madeleine. Chrysler présente l'Autobucu 1992. Seule cette populaire fourgonnette vous offre une protection sans précédent. Un coussin gonflable de sécurité standard, un siège intégré pour enfants en option et le plan de protection au choix du client, une garantie. Vous êtes encore bien humble de dire que vous ne le méritez pas, mais je suis sûr que dans le public, vous parliez de l'affection du public. Le public lui est convaincu que vous le méritez. Parce que votre histoire, elle est connue quand même. Vous en avez parlé avec une telle candeur, une telle générosité qu'on ne peut pas l'oublier. Vous avez eu une vie dure, à la dure, depuis votre enfant. Alors, c'est ça que le public dit, ben, elle est bien maintenant, elle est confortable à nous faire rire. Oui, mais c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'il m'aime et qu'il accepte tout ce qui arrive. Puis de toute façon, j'irai jamais parler d'abondance quand j'étais avec les gens parce que je sais que ça peut ne pas durer longtemps. T'sais. C'est un métier quand même où tout le monde est jetable, où tout le monde est. On peut pas se péter les bretelles jamais. Je le disais encore dans une émission de télé hier où le public était là et me posait des questions. C'est à cause d'eux que je suis là. Mm-hmm. Alors, je lèverai jamais le nez là-dessus, puis je m'asseoirai jamais sur mon succès, parce que comme ils me l'ont donné, ils peuvent très bien me l'enlever aussi. Mais quand vous dites que vous avez l'impression d'être presque dans une maison de location, hein, alors que vous êtes chez vous, c'est que vous avez donc gardé de cette période dure que vous avez connue, de pauvreté, je pense qu'on peut le mot, vous l'employez vous-même, de job difficile. Bien, j'ai encore de la misère à boire du lait, parce que je le laissais aux enfants avant. Il y a des fois, j'ouvre le frigidaire, je fais, c'est vrai, je peux prendre du lait, mais c'est tellement... L'enregistrement est tellement fort de le laisser aux enfants, le lait, que
j'ai de la misère à le boire encore, tu sais. Mais quand je m'en paie un verre, m'en paie tout le temps. Il est bon, hein? Il est très, très bon. Il est très, très bon. Mais ça, ça prend des années avant de réaliser ce qui est en train d'arriver, parce que c'est un amour comme ça du public, là, où il se lève à chaque fois que tu fais un spectacle pour te dire... Ouais, à la fin du spectacle, j'ai rarement vu un standing ovation, comme on dit dans votre métier, là, spontané comme ça. Non, c'est une vague. Tout le monde est sur pied. Oui, c'est ça. Et j'en étais ravi. On fait une pause, Lise, puis on revient tout de suite. Peu importe vos projets ou les grands événements de votre... Qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Vous, vous faites rire les autres, mais qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Qu'est-ce que ça prend pour vous faire rire? Mais moi, je suis un très bon public quand je vais voir les humoristes, mais dans la vie, ce qui me fait rire, c'est des problèmes inattendus. T'sais. Quelqu'un qui tombe ou quelqu'un qui s'accroche et qui fait une gaffe au mauvais moment, ça me fait beaucoup rire. Vous êtes ricaneux? Ah oui, je suis ricaneux. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Ah oui. Ça vous a mis dans l'embarras, des fois? Oui. Parce que ça va te faire. Très souvent, on s'échappe. Là. Oui, c'est ça. Oui, mais je suis un bon public. Je suis quand même aussi facile à émerveiller et facile à embarquer. Fait que si c'est un film ou c'est une chose dans un conte d'enfant ou un film d'enfant, j'embarque 100 000 à l'heure. Avec une boîte de Kleenex à côté. Oui, c'est ça. J'écoute encore La Guerre des Tucs à tous les hivers. J'ai encore beaucoup d'émerveillement, puis ça, j'espère que je ne le perdrai jamais. Parce que je me demandais si ce qui vous fait rire est aussi ce qui vous alimente quand il est temps de bâtir un spectacle comme celui que vous allez offrir au Québec pour les prochains mois. C'est la même chose où vous alimentez de ce que vous trouvez drôle? Mais des fois, c'est pas particulièrement drôle, mais souvent, j'entends des discussions où il y a quelqu'un qui me lance une phrase qu'on n'entend pas souvent, puis je lui demande de me la donner, tu sais, parce que c'est des petits morceaux de patrimoine de tout le monde, des expressions qu'on n'entend pas souvent encore, puis qui font rire le public. Mais dans les situations, entre autres l'accident de la BMW, où j'ai reculé dans une BMW, ça m'est arrivé pour vrai. Pour vrai? Mais c'était pas drôle du tout quand c'est arrivé, par exemple. Non, ça devait pas être très drôle. La madame était très fâchée. Puis là, vous avez tourné ça en ridicule. Ben oui. C'est dans votre spectacle que vous... C'est ça. Il y a du François Léveillé dans votre spectacle. Ah oui, il y a du François Léveillé. Ça. C'est mon grand complice. C'est mon conjoint de métier. Méchant moineau, ça aussi. Ah oui, ça, c'est un méchant moineau. Ouais. Mais on a commencé en même temps. On a à peu près le même âge. On a le même nombre d'enfants. On a à peu près la même vie familiale. Donc, pour écrire, c'est génial parce qu'on se rejoint. Il y a François Massicotte qui a participé au texte aussi. Ça me prend un petit peu de côté homme un peu plus dur en stand-up parce que j'aime ça. Le faire à la manière des hommes, ça, vous le faites à la manière des hommes? Trouvez-vous que vous le faites aujourd'hui à la manière des hommes? Je pense que oui. Est-ce que vous rendez les hommes mal à l'aise dans la salle? Je pense que certains, oui. Moi, mais... je l'ai senti pendant votre spectacle. Il y en a qui... ça passait à moitié. C'est ça. Mais vous rachetez tout le temps ça assez rapidement. Ben, c'est voulu, ça aussi. Oui, mais je pense qu'ils savent que je les aime parce que ça passerait pas du tout. Et puis, ça m'a pris du temps avant de voir des hommes dans la salle. Et maintenant, c'est presque moitié-moitié. Donc, ils sont prêts à se faire brasser aussi. Mais ils vont déjà nous brasser, nous autres, les filles, là. Beaucoup. Fait que c'est un petit peu correct que je vous rende la monnaie, tu sais. Mais les gars, dans le fond, ils me disent à la fin du show que j'aurais pu aller plus loin que ça encore. Ah oui? Ah oui, la plupart. C'est les commentaires que vous recevez. Oui. Et les femmes? Quels sont les rapports des femmes avec vous? Ah, le rapport des femmes, c'est... Je leur donne ce qu'ils ont envie d'entendre. Et puis, j'ai l'impression qu'ils passent une soirée entre filles, tu sais. Ah oui? Mais les gars sont prêts à s'y mêler aussi, tu sais. C'est ça qui est le fun. Parce que le plus beau commentaire des hommes, c'est
j'aurais pu écouter le hockey, mais je suis venue voir votre spectacle. Et je me suis amusée, tu sais. Vous faites ça, pour moi, c'est un beau compliment. Ah ouais. Parce que c'est pas évident de traîner un homme dans un show qui, en parenthèse, pourrait être féministe. Une femme qui a un propos un peu dur à leur égard. Vous l'êtes pas. Enfin, vous l'êtes, mais vous avez toujours peur que le mauvais côté de l'étiquette soit celui qui prime. C'est vous ça. Dites, oui, je suis féministe parce que je me défends comme femme, mais vous n'êtes pas une militante. Non. Bien, je suis féministe par la force des choses. Par la force des choses. Parce que j'ai ouvert des portes comme femme, mais je suis pas... non, je suis pas du tout manifestante ou... pas du tout. Pas du tout. Mais je prends ma place, par exemple. Votre place, si vous la comparez à celle que Clémence Desrochers a occupée, Clémence, elle nous a fait 7-8 spectacles d'adieu, là. Je ne sais pas si vous allez commencer votre... Oui, je devrais commencer, là. Le prochain, peut-être. Quand vous comparez que... Comparer, vous ne voudrez pas le faire. J'ai reformule ma question. Oui. je commence à vous connaître assez. Mais quand vous regardez votre place dans la société québécoise avec Clémence, vous poursuivez ce que Clémence a fait? Vous parlez au nom d'autres femmes que celles que Clémence a défendues? Non, je pense que c'est à peu près toutes les mêmes femmes. C'est que Clémence leur a parlé une certaine période et moi, je la trouvais déjà en avance beaucoup. Moi, j'ai pris un peu moins d'avance en leur parlant. J'essaie de leur parler plus à l'endroit où on est rendu dans l'évolution, dans la place qu'on a à prendre. Et maintenant, je voudrais même qu'on redonne un peu plus la lettre de noblesse, leur lettre de noblesse aux hommes, parce que l'homme a perdu son identité. Moi, je suis rendue là avec la femme, tandis que Clémence est à l'endroit où on devait aller chercher notre identité et chercher notre égalité. Alors que maintenant, on a tellement pris de place, je trouve, que l'homme est en train de vouloir reprendre une place qu'il avait perdue parce qu'il est tellement mêlé dans son rôle qu'il ne sait plus quoi faire. C'est pour ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est pour ça que quand vous foncez un peu dans les hommes, rentrez dedans dans le spectacle, tout de suite après, vous êtes les gars, c'était pour rire, là, on sent oui, ça. Oui, c'est ça, c'est parce ça. Parce que vous ne voulez pas qu'il... Il n'est pas qu'il se rebiffe à nouveau, là. Non. Et je veux dire aux femmes aussi que dans le fond du discours, c'est faites attention à vos hommes aussi, parce qu'on n'arrête pas de dire que tout le monde est tout seul, tout le monde est célibataire, tout le monde pleure dans leur coin. Mais il faudrait peut-être commencer à essayer de s'entendre avec nos différences, parce qu'on ne peut pas les changer, les hommes. On ne peut pas changer les femmes non plus. Donc, on a évolué pour être... On s'est battu pour être égal. Mais est-ce qu'on peut être égal en acceptant les différences et faire le combat ensemble plutôt que de se liguer contre un... Et là-dessus, êtes-vous optimiste? Ah oui. Oui, vous mais... Vous regardez la jeune génération, vos enfants, par exemple? Je trouve qu'il y a du travail à faire encore beaucoup. Je trouve que les femmes, entre elles, sont très dures. Ah oui? Oui. Je trouve que les femmes sont dures entre elles. Pourquoi? Je sais pas. Il y a une jalousie qui existe moins chez les hommes, je trouve, un peu. Je trouve que pour arriver ensemble à s'unir... Ouais. Dans des causes, il faut qu'on soit solidaire et non pas se regarder avec un petit peu de jalousie. Si j'avais, admettons, la taille de Claudia Schiffer... Oui. Vous ne seriez pas assis devant moi actuellement. Exactement. Exactement. Et vous m'intéresseriez moins aussi, je vais vous dire. Ben oui, peut-être, mais en parce même temps... Parce que moi, j'aurais peut-être la prétention de penser que ce n'est que extérieur, mais j'aurais du mal à pénétrer, alors que vous, j'ai l'impression d'avoir accès à votre âme directement. Oui, mais est-ce que... Oui, mais je me demandais, est-ce que les femmes m'acceptent plus parce que je ne suis pas Claudia Schiffer, ou si, comme vous dites, c'est vraiment mon âme qui les fait rire ou qui les... Je pense que c'est ça, moi aussi. Je pense qu'ils viennent chercher en dedans ce qu'ils ont envie, parce qu'une femme qui est belle sur scène... C'est dur de faire passer qu'elle peut être drôle, je pense. En tout cas, jusqu'à en y ait une, mon Dieu, qui nous prouve le contraire, tu sais. Elle n'est pas encore au monde. On fait une pause pour revenir. Le musicien François Cousineau vous offre un concert au Moulin Michel de Bécancour samedi à 20h. Et la Maison de transition de Saint-Stanislas vous invite à un spectacle bénéfice qui met en vedette Patrick Normand à l'église de Saint-Stanislas, dimanche 20h30. Les sorties week-end d'une présentation de Nouvel Horizon. Ils sont curieux et vulnérables. Ils sont... Je pense que j'aimerais beaucoup le golf si j'avais la bonne façon.
drôle de jouer. Mais c'est de la pratique, ça aussi, puis oui. J'ai pas vraiment le temps. Êtes-vous sportive? En avez-vous fait du sport? Pas vraiment. J'aime le sport, j'aime le football, j'aime le tennis. J'ai joué souvent au tennis, par exemple. Ah oui? Mais pas vraiment au tennis, mais plus au squash, avec ouais. la balle au mur. Ça, j'adore ça, jouer à ça. Après ça, mais le sport, j'aime beaucoup. Football, baseball. J'en regardais la télévision. Oui, j'en regarde. Ah oui? Je regarde le tennis aussi. Donc, votre conjoint n'a pas besoin de vous forcer pour vous asseoir, vous y aller spontanément, regarder le football. Oui, spontanément. Ah, le football surtout, ben oui. Oui? Ben oui, c'est mon sport. Saison d'automne, le dimanche après-midi. C'est ça. Puis la manière que les Alouettes sont partis, c'est génial. On va la couvrir. Oui, on va les encourager. Ouais, avez-vous tenu à ce que vos enfants fassent du sport? Ça faisait partie des choses que vous souhaitiez leur voir faire? Ben, j'aurais voulu, mais ils ont fait une saison chaque en soccer. Ça a été fini. Ça a été fini. Puis je pense pas que j'aurais été le genre de mère qui aurait apprécié être dans les arénas le samedi matin. Non, ça, c'est... Je pense pas. Quand vous étiez, vous, jeune, avez-vous tenté de faire du sport, puis on vous a refusé? On vous a refusé? Oui. Qu'est-ce que ça vous faisait, Alain? Mais ça faisait très mal, puis ça ne me tentait pas que mes enfants vivent non plus. Puis je me suis rendu compte que les parents étaient plus compétitifs que les enfants encore. Même au soccer, pour des petits-enfants de 5-6 ans, il y a des parents qui prennent ça très au sérieux, alors que les enfants le font pour s'amuser. Puis ça ne me tentait pas d'aller dans un aréna pour entendre un père dire « Ton gars, il ne sait pas jouer. » Puis j'aurais fait « Garde, mon homme, on est là pour s'amuser. » Ça fait que je ne dirais pas à mon garçon... Ça vous a rebuté, ça? Ah oui, ça, non, ça ne me tentait pas de faire humilier mes enfants dans le sport du tout. Ah bon, à ce point-là? Ça ne me tentait pas, oui. Ça ne me tentait pas de me faire dire que mon gars n'était pas bon. OK, ça ne me tentait pas. Puis il n'y avait pas plus de goût que ça. S'il avait aimé ça, mais mon fils est plus artiste que moi encore. Il est plus dans son monde. Il n'est pas du tout trip gang. J'aurais aimé ça qu'il en fasse du sport pour développer d'autres choses, par exemple. Puis il aurait appris un peu plus la discipline que moi. J'ai eu de la misère à lui inculquer, oui. Mais je reviens à vous quand vous étiez plus jeune, donc ça faisait partie du tableau de gens qui vous repoussaient, ça. Oui. Parce que j'étais pas... Premièrement, j'avais un problème de poids. Donc, écoute, juste... Je ne voulais pas vous avoir dans leur équipe. Juste trouver le linge qui fit avec l'équipe. La saison t'a fini. C'est exactement ça. C'est fait que j'ai fait non garde. L'humiliation dans la vie, j'en ai eu assez, là. On n'ira pas se faire humilier dans le sport, en plus. C'est vrai, vous en avez eu de l'humiliation dans votre vie. J'y suis pas revenu parce qu'à chaque fois qu'on vous interviewait, ou presque, on vous oblige à reparler de cette partie dure de votre vie. Mais si vous saviez comment est-ce qu'on est contents, nous tous, je vous le répète encore, de voir ce qui vous arrive maintenant. Parce que vous donnez de l'espoir à la vie à tout le monde, hein? Oui, bien, j'espère, parce que c'est jamais fini, hein? C'est jamais fini. Puis on a des téléphones à n'importe quel âge qui nous apprend... Qui nous donne des surprises, des grands bonheurs, tu sais. Moi, à 30 ans, je pensais que ma vie, c'était fini, là. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Je pensais que je resterais serveuse pour le restant de mes jours. Puis ça a fait juste un petit coup de pouce, puis on y va, puis... La meilleure chose, des fois, c'est le AB qui se transforme. La passion qu'on a dans la vie, en général, c'est une passion qui se transforme en ce qu'on veut faire dans la vie. Et puis, si on continue à persévérer, en général, ça marche. C'est ce que vous avez fait. Ben oui. C'est ce que vous faites encore. Ouais. Et c'est ce que vous allez faire longtemps. Ben, j'espère. Et je vous souhaite bonne santé. C'est tout ce qui vous manque. Moi aussi. Puis merci beaucoup, Claire. Beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. À la prochaine, madame et monsieur. À part entière, là, il faisait partie du groupe, puis il n'y a jamais eu aucun doute. D'ailleurs, on avait un autre qu'on gardait dans le temps, Steve, il était un super actif.
Alors, c'était tout le contraire de Marc. Autant que Steve nous donnait des problèmes, Marc, il n'y avait pas de problème qui venait avec. Les seuls problèmes, c'était... ça a fallu montrer à Marc comment foncer dans la vie, comment aller, comment se prendre en main. Parce que Marc, de ce côté-là, il voulait toujours plaire, puis il ne voulait jamais déplaire à personne. Alors, il a fallu le faire sortir de sa coquille puis le mettre sur son vrai jour, parce qu'il y avait... on a tous des défauts, on a tous des qualités, alors il fallait les faire sortir. Puis... Et vous avez un talent particulier, j'imagine, vous, pour réussir ça? Ben, je suis mal commode moi-même, fait que... mais il n'y a pas eu besoin de me copier. Ça s'est fait. On a fait ça par de l'activité. Dans les sports, comme le parler, je me rappelle que ces loisirs étaient devenus mon anti-loisir. Avec quatre, je ne pouvais plus en faire. Puis j'étais devenu chauffeur de taxi. Puis, Marc, j'étais même coach au baseball, coach au hockey à cause de lui. Étiez-vous juste, Raymond? Ah oui, je l'ai fait asseoir une fois sur le banc, ça m'avait... Je l'avais sorti du deuxième, puis je l'avais emmené sur le banc. Et ce soir-là, là, il marchait pas. C'était un point stratégique, ça, le deuxième but. ça passait tout droit, la portoire était ouverte. Ça n'a pas arrivé souvent. Hein? Ça n'arrivait pas souvent. Non, il était partant. Normalement, il finissait ses matchs. Il était bon. Il a même été recruté pour faire du 2A à un moment donné. Fait qu'il y avait un potentiel. Mm-hmm. En voyant, Marc, le sort qui vous a été réservé dans cette famille-là, si vous n'aviez pas eu d'enfant vous-même, est-ce que vous auriez été ouvert sûrement, à l'adoption? Sûrement, oui, absolument. Absolument, oui. Ouais. Joyce, j'imagine que vous aussi, c'est une histoire d'amour pour, si vous aviez déjà votre famille, dire, oui, je vais aller la chercher, Diane, et puis on va lui en recréer une famille. Vous étiez sous le choc du décès de votre sœur à ce moment-là? J'ai perdu deux sœurs, mon père, dans le même accident. Mais là, moi, je voulais pas... Dans le même accident? Oui. J'avais peur de dire à mon mari, est-ce qu'on peut la prendre? Parce que des fois, l'homme, il pense pas comme la femme. Peut-être si c'est pas lui, ça vient pas de lui, ça sera pas pareil. Mais le soir même, mon mari, il m'a appelé, puis il dit, veux-tu la prendre, la petite? C'est comme ça que on l'a adoptée. Et la famille s'est agrandie, et la belle Diane, elle est là avec vous aujourd'hui. Ça a été pour vous, Diane, une planche de salut extraordinaire. Oui. Oui, j'ai la meilleure mère au monde. Oui, ben oui, on a l'impression, les gens disent, elle lui ressemble. On a l'impression qu'il y a une parenté qui se crée. Et j'imagine, Joyce, aussi, que on a l'impression de faire quelque chose pour notre sœur aussi, en même temps. J'aurais pas voulu que... Il n'y a pas personne qui pouvait la prendre, fait que... J'ai dit où est-ce qu'elle va aller, tu sais, puis je voulais l'avoir avec moi. Et qu'est-ce que vous dites, Diane, de cette relation-là avec Joyce? Moi, c'est une affaire que j'ai toujours dit. Mettre un enfant au monde, c'est quelque chose, mais l'élever, lui donner l'amour, lui donner tout ce qu'il a de besoin, j'ai rien manqué. Moi, je lève mon chapeau à ma famille. T'sais. On lève le chapeau à Joyce, nous autres aussi. Comme à toutes les familles qui sont ici en studio aujourd'hui et qui n'ont pas eu peur et d'ouvrir leurs portes et d'ouvrir leur cœur à ces enfants-là qui, grâce à vous autres, ont trouvé la chaleur du soutien. C'est quelque chose d'extraordinaire. On y revient après ces quelques messages. Les huiles parfumées ont quelque chose de réconfortant. C'est ce qui rend les branchées huiles parfumées si agréables. Elles parfument votre maison en utilisant les qualités essentielles de ces huiles. Et maintenant, les branchées huiles parfumées se branchent dans tous les types de prises sans obstruer l'autre prise pour 60 jours de pure fraîcheur. Branchez-vous à l'huile parfumée. Branchez-les! De S.C. Johnson, une entreprise familiale. Qu'est-ce qu'on sert à un super-héros qui vient de sauver la planète?
La même chose qu'à son père. Hamburger Helper au cheddar fondant ou Chicken Helper, de délicieuses saveurs comme les fettuccini Alfredo qui feront le bonheur de toute la famille. Alors qui c'est le héros? Hamburger Helper et Chicken Helper, généreux et familial. Bonjour, je m'appelle Braki. Voici le lauréat du mois de Meubles en Vrac. Ce pratique centre informatique couleur miel, seulement 199,95. Et on est facile à trouver. Payez moins cher à l'année chez Meubles en Vrac. Bonjour, je m'appelle Braki. Voici le lauréat du mois de Meubles en Vrac. Ce joli centre informatique couleur cognac, seulement 199,95. 500 boulevard Normand, Trois-Rivières. Payez moins cher à l'année chez Meubles en Vrac. Vous recherchez de l'action? Une ambiance animée pour vous amuser et tenter votre chance? L'Hippodrome de Trois-Rivières, c'est pour vous. Des émotions fortes, une excellente table. En famille ou entre amis, c'est du plaisir assuré. L'Hippodrome de Trois-Rivières, en piste pour l'action. TVA était là pour vous. C'est le 9 septembre dernier qu'avait lieu à la Plaza de la Mauricie le tirage du populaire concours La Rentrée, c'est cool. Plus de 9000 $ en prix ont été décernés aux gagnants. Des ordinateurs portatifs, des mini-chaînes stéréo, des lecteurs CD MP3 et plus encore. Ce concours qui s'adressait aux étudiants aura permis de faire 18 gagnants. Voilà pourquoi, à la Plaza, La Rentrée, c'est cool. Encore une fois, félicitations aux gagnants. Chem, la station d'ici. Un univers paisible va soudainement basculer dans le chaos. Heureusement, nos petits héros sont là. Ils sont les chiens Sanson et Hercule. Les petits héros, en primeur ce samedi 18h30. Elle ne pensait plus jamais le revoir. Il en a un à l'intérieur dans le ventre. Combien il y en a? Il y en a 12. En primeur, Alien la résurrection, ce samedi 20h30 à TVA. C'est le moment d'embarquer pour les Midi Express dans la salle à manger Saint-Hubert. Venez vous régaler avec une variété de 9 plats rapides et économiques, accompagnés d'un choix de boissons et de desserts à partir de $6.25. Hâtez-vous! Il y avait quelque chose de très touchant tout à l'heure quand on voyait Joyce et Diane ensemble. On voit qu'il y a un lien très fort entre la mère et la fille. Mais Joyce, c'était quand même une grosse décision à prendre. À ce moment-là, d'abord, vous étiez toute jeune. Vous aviez... Je suis mariée à 17 ans, j'avais 23 ans. Bon, 23 ans, déjà 3 enfants. Alors, on se dit, une bouche de plus à nourrir, hein? Vous avez dû y penser. J'étais un peu inquiète là-dessus, là, mais j'ai dit, une de plus, on s'arrange tout le temps, là. Quand même, on s'est bien arrangé. Et Diane, dans votre famille, elle a la place, une place aussi grande que les autres enfants. Non, il n'y a pas de différence. Votre plus grande reconnaissance à l'égard de Joyce, Diane, qu'est-ce que c'est? De m'avoir donné une mère, un père, puis des sœurs, puis un frère. Bien, l'éducation, je leur dois toutes. Alors, ça veut dire que les fêtes des mères, là, ça doit se fêter, ça doit se souligner de façon très, très, très particulière. Je pense que ma mère n'est pas juste spéciale pour moi, là. Elle l'est pour mes deux sœurs et mon frère aussi, là. Ma mère est un gros morceau. C'est elle qui nous unit toutes. C'est elle qui nous a donné l'amour. Je peux pas dire, je veux pas dire qu'elle est parfaite, mais pour, à mes yeux, elle est parfaite. Je suis pas parfaite. Juste à côté de vous, Diane, il y a Joanne. Joanne qui n'a pas eu peur, je dirais, de bousculer sa retraite parce que c'est un geste purement gratuit de dire « je vais aller chercher ». Qu'est-ce qui vous a motivé à aller chercher la petite Yaya qui est ici, là, à l'avant, là? Bonjour, Yaya! Ça va faire une animatrice un jour, ça. Je pense que oui. Bonjour, ma belle Yaya! Bonjour! Qu'est-ce qui vous a motivé, Joanne? Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça? Peut-être en quelque part dans mon inconscient, je savais que j'aurais ce petit trésor-là.
J'avais déjà pris des décisions quand même importantes, là, une pré-retraite, un déménagement, l'achat d'une maison. J'en avais profité pendant 2 ans. Et là, je me disais, on ne peut pas profiter de la vie là, encore pendant 40 ans. Il faut faire quelque chose avec quand même. Alors, dans tous les choix qui se présentaient à ma pensée, c'était toujours d'aller chercher une enfant qui me revenait, mais avec la réserve, oui, mais je suis trop vieille. Donc, un bonjour, j'ai pris le téléphone et puis bon, j'ai vérifié. Alors, bon, à l'époque, j'avais 52 ans. 52 ans, non, madame, c'est pas un problème. Je suis retraitée, non, c'est pas un problème. Je suis célibataire, non, c'est pas un problème. Je rencontrais le minimum de revenus nécessaires, alors c'était pas un problème. Alors, j'ai dit, bon, on y va. Et vous êtes allée la chercher là-bas? Oui, oui, en Chine. Alors, comment ça s'est passé? Comment se fait le choix? Est-ce qu'on se dit, je suis ouverte à toutes les possibilités? Ou est-ce que c'est quand on prend un enfant dans ses bras et on se dit, c'est elle? Dans le groupe, l'agence, c'est-à-dire avec laquelle j'ai fait affaire, on ne choisit pas l'enfant. Et Dieu merci, je pense qu'on n'a pas cette décision difficile à faire parce que devant tant de filles orphelines, pourquoi privilégier elle par rapport à elle? Alors, je pense que c'est une décision qui ne relève pas de nous. Et l'enfant qui nous est confié, bon, elle est à nous au moment où on y pense tous les jours. Et au moment où on reçoit la proposition de l'enfant, là, c'est avec la photo, c'est le lien est fait. Peut-être pas pour l'enfant, mais pour nous. Et le moment le plus émouvant pour vous? Oh là là, maman surveille de près, hein? Excusez-moi. Le moment le plus émouvant pour vous? Je pense que c'est quand je l'ai prise dans mes bras. Ça, ça a été... J'arrive pas à me rappeler des sons qu'il y avait, de qui était autour de moi. C'est un immense silence et en même temps comme un calme que j'avais jamais connu qui m'a tout pénétré. Et je suis restée avec ça. Et qu'est-ce que ça change dans votre vie concrètement? Parce que vous disiez tout à l'heure, une de mes inquiétudes, c'était de me dire, est-ce que je suis pas trop vieille? Parce que je la regarde aller depuis le début de l'émission, là. Et puis, elle en demande, hein? Elle est très énergique. Ah oui. Très éveillée. Qu'est-ce que ça change dans votre vie de tous les jours? Ce que ça a changé le plus, c'est le rythme des commissions. Le rythme du lavage. Des petites choses pratiques qui, dans le fond, ont aucune valeur de difficulté par rapport aux gestes qu'on a posés. Je veux dire, c'est des petites choses pratiques. Mais c'est peut-être naïf de ma part, mais j'ai comme fait confiance au ciel dans ça. Et je me suis dit, si ça a lieu d'être, si c'est bon pour elle, si c'est bon pour moi, ça va bien se passer. Puis peut-être pour la première fois dans ma vie, j'ai fait confiance à la vie. Alors, d'oublier d'acheter une pinte de lait puis de rhabiller la petite pour aller en acheter, c'est pas plus grave que ça. J'avais quand même une vie professionnelle très riche, une vie familiale, une vie sociale. Mais en même temps, j'ai toujours travaillé avec le public. Donc, dans mes moments libres, j'étais quand même assez casanière et solitaire. Donc, je peux pas dire que ça a bouleversé ma vie, ça l'a enrichi. Un cadeau pour vous autant que pour Yaya. Oui, oui, oui. Puis, ce que je ne peux pas faire dans le moment, parce que, bon, elle prend toute mon attention, elle en a besoin. Dans quelques années, quand elle ira à l'école, je pourrais reprendre tout ça, rencontrer une copine pour aller à un petit restaurant ou même des voyages. Je me propose de... Je voyageais beaucoup. Et une de mes intentions, c'est justement de voyager beaucoup avec elle quand elle aura l'âge, évidemment, de... Pourquoi elle s'appelle Yaya? Est-ce que c'est son nom de naissance? Son nom de naissance, il n'y a rien sur elle qui indiquait son nom ou sa date de naissance quand elle a été trouvée là, sur le bord d'un trottoir dans la ville de Changde, en Chine. Parfois, les enfants portent sur eux
laissé par la mère un petit papier avec le nom et la date de naissance. Moi, j'ai pas su si c'était le cas ou si c'est l'orphelinat qui lui avait donné, mais son nom chinois, c'est Yaya, et c'est le nom que je lui garde parce que je suis tombée en amour et avec elle et avec son nom aussi. Ça veut dire que vous allez être aussi vous-même très respectueuse de ses origines, parce que Suzanne racontait tout à l'heure, elle dit, Melinda, elle a choisi de retourner parmi les siens et je le respecte. Oui. C'est peut-être la difficulté, on veut le faire en toute bonne foi, sauf que c'est difficile d'inculquer au jour le jour, parce que c'est comme ça que s'inculque une culture, c'est au jour le jour dans des... toute la gamme d'habitudes qu'on peut avoir ou d'intérêts qu'on peut avoir. Je pense que c'est très difficile d'inculquer une culture qui n'est pas la nôtre. Par contre, la seule promesse que je peux faire, c'est de ne jamais être fermée à sa culture et de lui laisser le contact, l'ouverture, comme ici aujourd'hui, il y a plein de petites Chinoises aussi. Oui, oui, puis ça a fraternisé tout de suite. J'ai des amies qui en ont adopté, elles sont en contact, mais profondément, sa culture, je ne peux pas lui en inculquer une qui n'est pas la mienne, mm-hmm. Ce qui est dommage. On va s'arrêter là-dessus, une courte pause, et on revient avec d'autres témoignages. Bonne fin d'après-midi. On ignore encore si des accusations seront portées contre le jeune homme qui a participé à une course dans laquelle un autre jeune a perdu la vie hier après-midi. La victime, Samuel Van Temsch, était âgé de 18 ans. Tiens, mon chéri. Spatial. Tu vas pouvoir t'envoler dans la station spatiale? C'est quoi ça? Station spatiale! C'est l'objet le plus brillant qu'on peut voir dans le ciel la nuit. Un jour, je vais y emmener ma mère. On aura beaucoup de plaisir. Kinder Surprise, aussi délicieux que les moments partagés. Soulevez la bouteille! Poussez, dégagez! Oh! Febreze présente son premier vaporisateur pour tissu antibactérien. Quel plaisir d'éliminer 99,9% des bactéries qui causent les odeurs dans les tissus. Le nouveau Febreze antibactérien. Pauvre bactérie, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cet automne, réchauffez des cœurs. En participant à la grande collecte de manteaux du Centre Les Rivières du 4 au 8 octobre. Apportez vos manteaux au kiosque des artisans de la paix situé près de la foire alimentaire. Ensemble, réchauffons des cœurs. Mode de vie, Les Rivières. Ici Pierre Bellin. Voici mon nouvel album sur lequel vous trouverez cette chanson sur la maladie d'Alzheimer. Il est parti très loin, mais on ne sait où. Dans un autre monde, tout seul et sans nous. Aussi, des chansons qui vous feront danser. C'est pas normal de t'aimer tant, en mourir par en dedans. En vente partout. Avez-vous vu mes cheeseburgers Saint-Fédoux de Burger King? On peut toujours bien voir les marques. Burger King vous offre le cheeseburger simple à 1,29$ et le double à 2,29$. De gros cheeseburgers avec du bon fromage fondu. Pas facile d'y résister, mais c'est pour un temps très limité. J'avais pas de boisson gazeuse avec ça, moi. Oh. Je préfère le goût de Burger King. Ben Martin, t'avais raison. Il y en a qui voient chez Criolla Pérade. Dominique, c'est de celle-là qu'on a besoin. Ben non, c'est de celle-là pour impressionner les demoiselles. Ben non, celle-là. Tu sais, quand on veut se perdre dans le bois, on prend les deux. Au cas où il y aurait des demoiselles dans le bois. C'est qui à la pérade? Les cataractes de Shawinigan, une fierté régionale. Une super sortie familiale. Encouragez vos favoris vendredi le 5 octobre dès 20h contre les Olympiques de Hull. Vivez des sensations fortes. Soyez un partisan des casses. Cet automne, réchauffez des cœurs. En participant à la grande collecte de manteaux du Centre Les Rivières du 4 au 8 octobre. Apportez vos manteaux au kiosque des artisans de la paix situé près de la foire alimentaire. Ensemble, réchauffons des cœurs. Mode de vie, Les Rivières. Ce dimanche, dès 18h30. Ne paniquez pas.
Ce n'est qu'un gag. Et à 19h... Norman Brathwaite vous en met plein la vue. C'est la solution pour les lits de poule. On devrait demander au fumeur de venir cracher les trous quand il se lève le matin. C'est les oreilles faciles, parce que... Les oreilles faciles. Les gags et les nouveaux galas juste pour rire. Ce dimanche dès 18h30. Que vous soyez parent ou adolescent, on vous invite à nous faire connaître les trucs que vous avez développés dans votre famille pour régler les discussions interminables ou les conflits qui vous empoisonnaient l'existence. Pour nous joindre, composez le numéro qui apparaît à l'écran. Si jamais vous voulez lire d'autres belles histoires d'amour, il y en a une bonne trentaine dans le livre « Les miracles de l'adoption ». C'est un livre qui est écrit par Marie-Chantal Martineau. Et c'est paru aux éditions Le Dauphin Blanc. Et dans ce livre-là, justement, il y a l'histoire de notre belle amie ici qui s'appelle... Mathilde. Mathilde. Et qui a quel âge, la belle Mathilde? 4 ans. 4 ans. Alors, Mathilde, vous avez décidé d'aller la chercher alors que vous aviez déjà une famille, deux grandes filles. Deux grandes filles. Et vous gagnez des sous, tout à coup, un beau montant d'argent. Et au lieu de vous offrir des voyages, de vous offrir plein de plaisir, vous décidez de le consacrer à aller chercher une première petite chinoise et une deuxième que vous attendez bientôt. Pourquoi? Tout d'abord, quand on a eu nos... Moi, j'ai eu deux grossesses difficiles. Et moi, depuis que j'étais toute petite, je désirais vraiment avoir adopté des enfants. C'était quelque chose qui était inscrit, c'était comme un désir qui était inscrit dans mon cœur. Je n'étais pas capable de l'éteindre. C'était comme une flamme que je n'arrivais pas à laisser tomber. Et mon mari, devant les coûts qu'une adoption représentait, disait toujours, « Quand je vais gagner à la loterie, là, je te le dis, moi, y aller t'en chercher un bébé. » Et le jour où on a gagné, pour nous, en tout cas, quand on fait un choix dans notre famille, on essaie toujours de faire un choix pour faire grandir la famille et pour l'unir et... Pour nous autres, avoir un autre enfant, ça voulait dire la faire grandir et unir la nôtre. Mm-hmm. Et comment ça s'est passé dans l'adoption de Mathilde quand vous êtes allé la chercher? Bon, c'était quelque chose de très bien parce que, premièrement, on était bien organisé. On avait un organisme qui était formant une famille avec lequel on était très structuré. Nous, on n'avait jamais voyagé. Tu parles pas anglais, tu t'en vas à l'autre bout du monde, là, c'était comme Dundee, en tout cas, le grand voyageur, là, je me disais, ça se peut pas, c'est loin. Puis là, tu pars, tu t'en vas avec un groupe, tu regardes tout ça, tu t'en vas à l'autre bout du monde, puis t'arrives, puis t'as cette petite merveille-là qui t'attend, parce que là, faut que tu l'apprivoises, puis faut vraiment s'apprivoiser d'un côté comme de l'autre, tu sais pas quoi t'attendre. Pour elle, c'était naturel, elle avait toujours rêvé à ça, mais moi, je m'étais toujours dit, ben là, je verrai quand j'arriverai. Hein. Vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez pris dans vos bras? Oui, le premier dîner. Quand on l'a eu au départ, elle était la plus calme de toute la gang. Fait que je filmais, c'était nouveau pour moi la caméra, mais tu regardes là, elle est tranquille, là, garde-la dans tes mains. Fait que là, on a fait ça, là, on est monté à la chambre, puis là, c'était le premier repas. Par réflexe, je me suis assis devant le miroir, puis pour elle, c'était comme s'il y avait une autre amie qui était là. Fait qu'elle restait calme. Je montrais ses sœurs. On avait emmené des photos, tout ça. Fait que là, tout s'est fait tranquillement. Elle a pleuré un petit peu, mais aussitôt qu'on est assis sur le lit devant le miroir, tout s'est fait comme par miracle. Puis là, je me disais, je peux-tu aimer un enfant autant que mes enfants? Mm-hmm. C'est pas la chair de ma chair. C'est pas le sang de mon sang. En tout cas, je peux vous dire maintenant que j'ai la certitude que c'est la même chose. C'est venu tellement fort, c'est venu me chercher comme je pensais pas que ça pouvait arriver. À partir de ce moment-là, ça a été le coup de foot. Je n'ai pas appelé ça d'autres... C'est pas d'autres mots qui pouvaient le sortir. C'est un coup de foot. Et qui a parlé d'aller chercher une deuxième petite fille? Est-ce que c'est vous? C'est papa. Ah-ha! Papa, il avait dit avant de partir à maman, on en va pour une, c'est tout. Mais quand tu arrives là-bas, il y a des choses qui se passent, qui ne s'expliquent pas. Puis là, quand tu reviens, tu te dis, bon, non, ça se peut pas, regarde, on a trois, là, regarde. On a des revenus modestes tous les deux. Fait que là, on s'était dit, ben là, on a deux, on a gagné à la loterie, mais pas pour être millionnaire. Pas un montant, mais par assez mieux, pour même. Dire, on est allé à Disney World avec les grandes, on les a gâtés, on a réparé la maison en conséquence de l'autre. Mais finalement, tu regardes toutes les choses, tu dis, bon, ben peut-être que ça pourrait. La vie aidant avec ces petits cadeaux, ces petites surprises qui arrivent, une augmentation de salaire, puis en serrant la ceinture, bon, ben finalement, il est peut-être possible. Dans le temps, on vivait à 12 personnes dans une maison. Pourquoi pas vivre à 6? Mm-hmm. On a un petit jumelé, mais ça nous convient. Mm-hmm. C'est suffisant. On travaille tous les deux, on a des heures
différentes, mais on réussit à bien s'acclimater. Moi, je suis en congé dimanche, lundi, mardi. Mon épouse avait demandé le vendredi, donc le vendredi, samedi, dimanche. Ce qui fait que les enfants sont pratiquement jamais gardés. Et puis nous, le rire, là, on n'a pas un rire à la banque, hein? On a un rire dans notre lit tous les matins, là, quand il arrive. Bonjour papa, maman, c'est beau soleil, j'ai faim, je t'aime, maman. Et c'est celui-là qui est précieux. Et c'est celui-là qui me rapporte le plus. Bien, bien. Vous autres aussi, cette même générosité-là, elle vous habite, hein? Parce que vous allez vers l'adoption d'enfants pour qui, les parents doivent pas se précipiter pour adopter des enfants handicapés, hein? Non, c'est pas... En général, non. C'est plus facile pour que l'adoption normale, parce qu'on s'est retourné de ce côté-là au début, puis c'était beaucoup d'attentes et tout ça, au Québec, là.